Bonsoir les Lyonnais. Je vous entends pas là, qu'est-ce qui se passe? Alors vous savez, dans l'événementiel, souvent ceux qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent sur les événements, les voient pas. Eh bien moi j'ai l'honneur de vous présenter toute l'équipe de Republic Event en musique. Le directeur de Republic Event en musique, on laisse, c'est Pierre-Nicolas Combes, on l'applaudit. Continue la musique là. Non. Le précédent. Et puis nous avons la directrice commerciale. On peut l'applaudir, Marie Durand. Et puis nous avons la rédactrice en chef, Pascal Bazillet. Et puis celle sur qui repose cet événement, elle vient de Chambéry, Anouk Fromentin. On peut l'applaudir. Voilà, donc on va remettre le premier morceau parce que j'aimerais voir que dans cette salle, ça remue un peu, s'il te plaît. Donc c'est cette équipe qui a monté cet événement. Pierre-Nicolas, qu'est-ce que tu attends de cette soirée? On va se faire chier comme toutes les soirées remises de prix, en général? Non, c'est pas du tout prévu comme ça. J'ai l'impression qu'on va plutôt être inspiré et voir des choses passionnantes. Oui, enfin, c'est un peu langue de bois, ça. Oui, c'est un peu langue de bois. En tout cas, non, il y a un super accueil. Et on a un jury exceptionnel, ouais. très énergisé. Alors on a des mecs en salle là, pas très motivés. Hein. Tu t'appelles comment toi? Je m'appelle Ulysse. Hein? Ulysse. Alors pourquoi qu'est-ce que tu fous là, Ulysse? Moi je suis étudiant et je viens voir comment vous y prenez pour l'événementiel. Ah, ouais. Pas mal. Je passe un examen quoi, c'est ça? Non, pas vraiment, que de l'inspiration. Et ta voisine, c'est ta meuf ou c'est... Non, c'est Anya, c'est une collègue. C'est qui? Une collègue du coup. Ouais. On est dans la même classe. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'événementiel? Parce que c'est un truc has-been, l'événementiel, non? Non, c'est le futur. Hein. Ah oui, c'est le futur. Clairement. Ben voilà, donc ça va être comme ça. J'ai le meilleur cadreur de Rhône-Alpes, on peut l'applaudir. Ouais, c'est Abarth. Alors Pierre-Nicolas, on va commencer tout de suite avec accueillir deux régionaux de l'étape qui nous ont aidés à monter cet événement. Absolument. Donc on va accueillir sur scène, sous vos applaudissements, la directrice générale de GL Event, une petite start-up, c'est ça? Oui, absolument, qui sont pas loin d'ici. Voilà, et puis hein, une star, c'est le mec qui manque le salon de l'événement chaque année. J'aimerais qu'on applaudisse Anne-Marie Bessner et Yves Rioton. Alors, Anne-Marie, on m'a dit que vous étiez une nana vachement sympa, c'est vrai? Nous, je suis là. Ah, mais on ne s'est pas vus, nous, tous les deux. Non. Ben voilà. Ouais, alors, bon, je suis contente de te voir. Alors attends, comme on est dans l'événementiel, je viens te faire... Je crains le pire, parce que d'habitude, il y en a qu'un qui déconne, non, mais non. Et là, il y en a deux. Ben voilà. Bonjour Anne-Marie, je suis ravie. Voilà, ça c'est fait maintenant. Donc, GL Event, Yves Rioton, tu connais, c'est un peu le leader qui emmerde un peu tout le monde, hein, faut le dire. Hein, Yves? Non mais ouais, j'essaye. Non? Oh. Oh non, Yves, c'est pas un emmerdeur, c'est un de nos clients qu'on, d'accord. T'as vu? Qu'on aime. Ah. Donc Anne-Marie, on peut pas venir à Lyon sans être avec GL Event. Donc c'est une situation de monopole. C'est quoi l'idée? Non, alors écoute Denis, je pense qu'il faut mettre à jour tes tablettes. D'accord. Moi c'est Marc. Hein. Marc, pardon. Pas grave. Marc, j'étais sûr. Ouais. Mais c'est parce qu'on se connaît pas assez, tu vois. Mais c'est pas grave. Eh bien, GL Events était un petit groupe lyonnais et puis c'est devenu un groupe international. Mais ça, c'est une aventure incroyable. Parce que moi, j'ai connu Olivier Ginon, il démarrait. Il était tout petit. Il vendait du stand. Il fallait tout juste lui donner 2 balles pour... il était un peu dans la merde à un moment donné, au début. Hein. Oh non, mais disons que moi, j'ai une petite anecdote, tiens, du Olivier Ginon. Ouais, si c'est pas trop long, moi, ça me... Non, c'est très court. Et il a démarré, il faisait des sonos dans les mariages. Oui. Et puis, on était bien copains. Puis, il me dit, Anne-Marie, si tu as des copains qui se marient, je veux bien faire leur sono. Voilà comment on a démarré, Olivier. Mais il reste toujours les mains, les pieds ancrés dans l'événementiel de terrain. Voilà. Ah, en tout cas, on est ravis de t'accueillir. On peut Merci. Applaudir Anne-Marie de GL Event Lieu. Alors, monsieur Rioton, je t'appelle monsieur Rioton. Donc oui, Marc. T'es le seul qui a eu les coronesses de monter un salon à Lyon.
Alors que tout le monde te disait, il va jamais y arriver. Ah bah, pauvre gars. Ah oui, c'est habituel. Ça, les gens disent, mais non, mais ça ne marchera jamais. Donc le premier salon a eu lieu il y a 20 ans et on fera le 21e salon en février prochain ici même. Les 8 et 9. Alors je suis surpris, moi, en montant cet événement, je suis surpris du dynamisme de l'économie événementielle de Rhône-Alpes. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Denis Marc, il faut qu'il soit à jour, c'est pas bête. Et oui, Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième région économique après l'Île-de-France. C'est normal que nous ayons enfin une nuit de l'événementiel dont je rêvais depuis longtemps. Et je t'ai rencontré, Marc, heureusement, qu'on a pu le faire ensemble. Et je te remercie. Pour le meilleur et pour le pire. Hein. Voilà, tout à fait. Mais ouais. Vraiment, non, c'est la région Rhône-Alpes est hyper dynamique. Nous, chez Séminaire Business, ce salon existe depuis 21 ans. On a 160 exposants, 1500 visiteurs. Donc, c'est ouais. un succès bon, c'est le truc installé, incontournable. Quoi. Pardon okay. J'aimerais qu'on les applaudisse tous les deux, s'il vous plaît. On est chez eux. Yves. Marc Riotant. Alors, je voudrais dire un petit mot complémentaire, toujours dans mon crédit. Oui. Marc, je sais qu'il va y avoir plein de prix, plein de remises de prix, etc., qui sont attendues. Et moi, je voudrais, à toute l'équipe de République Events, y compris Yves Riotant, je voudrais vous remettre un prix. C'est le prix du bon choix de la destination Lyon pour faire sortir votre événement de Paris. Voilà, je demande à ce que vous soyez applaudis. Ça fait toujours plaisir. Merci. Voilà. Non, c'est vrai, ça fait plaisir. Hein. C'est... Super plaisir, super plaisir. Et puis, non, c'est sympa. Je voudrais dire aussi un mot. C'est sur notre filière, l'événementiel. Tu l'as très bien dit, Marc. Ben, on sait faire aussi du brio. On sait faire plein de choses, mais c'est une vraie filière économique. J'ai Laurent Fiard qui a été longtemps à la tête du MEDEF et qui le sait. C'est une filière économique qui porte des emplois, qui porte des retombées économiques et sociales. C'est vrai que pendant cette crise du Covid, on s'est aperçu que l'événementiel, ça servait à quelque chose. Et donc à tous les jeunes qui sont dans la salle, eh bien je vous souhaite de rentrer dans ce monde passionnant de l'événementiel. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Voilà, on peut applaudir Anne-Marie Bessler et Yves Riotant. Merci à tous les deux. Merci à vous. Alors, Pierre-Nicolas et Pascal Bazillet, donc, comme je vous le présentais, Pierre-Nicolas, c'est le directeur de République Event, et Pascal Bazillet, c'est une journaliste pas facile tous les jours, parce qu'elle a ses idées. Donc, Pascal, c'est une année de JO, tu dis, les JO, on est mal partis ? J'en sais rien pour le moment. En tout cas, on est dans l'expectative. Et... Enfin, quand tu as la ministre de Paris qui dit qu'on va être en retard dans les transports et tout, ça ne favorise pas le... C'est un point difficile, mais je crois que l'inquiétude, elle vient plus de la sécurité, notamment pour la cérémonie d'ouverture et des JO, parce que comme vous connaissez le contexte géopolitique en ce moment, c'est très compliqué. Voilà, enfin, ce soir, c'est plein d'innovations. Comme je vous le disais, on a été surpris du nombre de candidats pour une première édition. La première édition a eu lieu à Paris au Théâtre Mogador l'année dernière au mois de mars. Cette année, donc on vient à Lyon. Il y aura une autre édition à Paris au mois de mars prochain. Et donc pour la première catégorie, on va commencer par les solutions et services. Ah. C'est parti. On regarde pas ce qui s'est passé. Ah. Alors pour révéler ces lauréats, je te passerai la parole après Pierre-Nicolas. On va accueillir Valérie Laurence Poinceau, Yann Roubert, Philippe Raffner et Laurent Cormier. On les applaudit, c'est les jurés. Alors donc l'idée c'est qu'on a invité, on a fait un jury de stars qu'on va vous présenter dans quelques instants. Mais tout d'abord, Pierre-Nicolas, dans cette première catégorie, on va voir les candidats qui sont à l'épreuve. Donc comme je l'ai dit, solutions et services. Regardez ces candidats. Donc Pierre-Nicolas. Alors c'était il y a quelques temps. Oui. Ça. On fait un petit pas de côté, on se retrouve le 8 oui, février. Il y a eu un grand oral justement. C'est ça. Ok, alors on y va. Donc, il y a 3 semaines exactement, tous les candidats qu'on va vous présenter présentaient leur innovation devant un jury qui est déjà sur scène. On regarde les images tout de suite. «
Et je trouve intéressant que l'on puisse avoir des moments entre pairs, entre professionnels de l'événementiel, quels que soient les secteurs d'activité, bah, pour continuer à se nourrir les uns les autres et puis bah, du coup aussi à innover. C'était vraiment un ensemble en fait, de rencontres qui m'ont poussé à être présent parmi les membres du jury aujourd'hui. C'était très rafraîchissant. Je suis ravi de voir que la RSE est au cœur de toutes les préoccupations de l'ensemble des gens qui sont intervenus et on a découvert plein de choses, donc très frais. Le premier sentiment que j'ai, c'est bravo à tous les candidats. D'abord parce que l'exercice n'est pas simple. 3 minutes, c'est très court pour présenter un projet qui a souvent pris des semaines, voire des mois de travail. Et puis se voir et rencontrer d'autres personnes, c'est toujours quelque chose qui me passionne. Ça nous challenge et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était un immense honneur pour moi de pouvoir en parler face à ce jury. Le grand oral était très stimulant. Ça nous permet vraiment de sortir de sa zone de confort. 3 minutes pour tout prouver. Et j'en garderai en tout cas un très bon souvenir, quel que soit le résultat. Voilà, j'aimerais qu'on applaudisse tous ces candidats. Donc wow. Valérie, tu as fait partie de ce jury. Je suis là, Valérie Laurence Poinceau. Je suis en salle. Valérie Laurence Poinceau, qui est la directrice générale de Boiron. Qu'est-ce que tu as retenu de ce jury, de l'exercice finalement? Ils avaient très peu de temps pour s'exprimer, mais on a quand même vu des pépites. Absolument, ils avaient peu de temps. C'était vraiment un pitch de quelques minutes. Donc l'exercice n'était pas facile. Et pour autant... je trouve qu'on a vu quand même assez vite se dessiner les pépites. Alors on va les écouter maintenant, les regarder, ces pépites, Pierre-Nicolas. Donc il y avait dans cette catégorie tous les candidats que vous voyez. Alors on y va avec El Tonic Circus, quand il fait debout. Une association, une communauté pour faire face aux défis de l'événementiel. D'accord, on peut les applaudir hein, quand même. Maison Trafalgar. Deuxième candidat, Pierre-Nicolas. Alors, mettre le verbe et l'écriture en haut, la maison d'écriture haute couture pour les entreprises, c'était Maison Trafalgar. Donc là, c'est de l'écriture au milieu des événements, on peut les applaudir. Troisième candidat, c'est Mon Événementiel. Alors là aussi, c'est trouver entre les acteurs des temps d'échange pour des événements responsables. D'accord, des temps d'échange sur l'événement ouais, responsable, on peut les cohésion. Applaudir. Candidat suivant, c'est My Lucky Day. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Pascal, My Lucky Day? Tu te souviens? C'est une société lyonnaise, deux sociétés lyonnaises, ensemble, pour éclairer quoi? Pour éclairer les événements, tout simplement. Et donc, ils ont créé une application. À Hollywood? Ils ont une reconnaissance au-delà de nos frontières, on va incroyable. Dire. Voilà, okay. Bien, on peut les applaudir, c'est My Lucky Day. Candidat suivant, c'est Quintessence. Quintessence, c'est l'intelligence collective pour réinventer les rencontres, le business, les métiers de la rencontre. D'accord, donc là, c'est l'intelligence collective, on peut les applaudir. Moi, j'aime bien ces concepts-là. 79. Ah. Ouh, ils sont là, 79, j'ai l'impression. Alors, 79, c'est une gamme smart, une application, en fait, qui réinvente ou qui remet à jour le team building à travers le digital. C'est ça, team building à travers le digital. Je me trompe ou pas? On peut les applaudir, 79. Candidat suivant. SparkUp. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une plateforme digitale qui est spécialiste de l'engagement, des événements hybrides, connectés et aussi en live. Voilà, une interface entre le live et le présentiel ouais. Et l'hybride. Tu savonnes un peu, mais c'est pas grave. On peut applaudir SparkUp. Parce que c'est très compliqué. Team Connect. Team Connect, c'est le 8e candidat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ça, c'est un escape game, Marc, qui s'est mis à gamifier le rapport du GIEC, donc pour mieux nous faire comprendre les enjeux environnementaux. Voilà, c'est le développement durable. On peut applaudir Team Connect. White Mirror. White Mirror, ça a été pensé comme un nouveau social media pour et avec les professionnels de l'événementiel. White Mirror, ils sont où là? Je les entends pas là. C'est là-bas. On peut les applaudir. Ah ouais. White Mirror. Ensuite, Visito. Oui, ou faire de la photo événementielle différemment.
Sans Wizito. Avec de la conception et et la fabrication de décors. Donc c'est de la photo et des décors, c'est merveilleux. Des cabines de photos. On peut applaudir Wizito. Ensuite, on termine avec Yaka Faucon. 11e candidat. Yaka, une société qui pense et qui filme vos films d'entreprise sous toutes les coutures. Voilà, les films d'entreprise sous toutes les coutures. Eh bien, on peut tous les applaudir, tous ces candidats. Solutions et services. Alors, on va commencer avec Valérie Lorenz Poinceau, directrice générale de Boiron, leader mondial des produits homéopathiques. Ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert. C'est une grosse entreprise lyonnaise. L'événementiel, dans votre stratégie de com, c'est quoi? Ça pèse quoi, finalement, Valérie? Bah écoutez, dans notre stratégie, c'est surtout important en interne. Oui. Parce que diriger une entreprise, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient à bord, qui soient motivés, qui aient envie d'y aller, parce que ce n'est pas toujours simple dans nos entreprises. Donc, c'est important de pouvoir les animer correctement, de faire des événements qui les fédèrent. Donc, c'est surtout en communication interne qu'on utilise l'événementiel lors des séminaires. Parce qu'il faut savoir que dans l'industrie pharmaceutique, on peut très peu l'utiliser, c'est très réglementé. Par contre, pour les salariés, c'est une chance de pouvoir faire des événements qui vont les marquer et qui vont les fidéliser aussi à l'entreprise. Alors, j'ai vu que vous êtes, Pascale Bazeillet, présidente. Elle préside une association d'ETI, de PME. Oui, qui a été créée il y a un an, hein, je crois, qui s'appelle Aura. Oui, c'est un club des entreprises de taille intermédiaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque bon, Boiron est une ETI, mais il y a beaucoup d'autres ETI. Il y a plus de 500 ETI dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a décidé, avec mon coprésident Jean-Mathieu Bizot, il y a 2 ans maintenant, et ça fait le club a effectivement un an, de s'occuper de nos ETI et d'être ensemble au niveau associatif pour accompagner nos ETI qui en ont bien besoin, parce que voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille dans les entreprises en France. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que je co-anime ce club. Eh bien, voilà. On peut applaudir Valérie Lorenz Poinceau. Alors, on a le président, directeur général du Loup, avec un parcours intéressant, Pascal Bazeillet. C'est un gars qui a été chez SFR, directeur du sponsoring et des événements, je crois, dans une agence qu'il a créée. Et il est devenu président du Loup Rugby, qui est le 3e club de France. Et moi, ce que je retiens, c'est un grand voyageur, c'est un sportif aussi, très sportif. Un marin. Il y a longtemps. Oui, mais je pense que vous êtes toujours sportif. Un petit peu, malheureusement. Ouais. Maintenant, j'en fais plus faire aux autres que j'en fais moi-même. Alors Yann, on est chez toi ce soir. On est ravis d'être là. Le rugby, la communication d'entreprise, souvent il y a des grosses passerelles, notamment au niveau des valeurs. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus, justement, sur les valeurs du rugby qu'on peut transposer dans les entreprises? Ouais, on est ravis de vous accueillir. C'est vrai qu'un club, c'est une équipe de rugby avant tout. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est aussi une entreprise, parce que pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions, il faut que l'entreprise performe autour. Et c'est vrai que du coup, on essaye d'appliquer les mêmes valeurs pour faire gagner cette équipe et pour faire marcher cette entreprise. Et de gestionnaire d'équipe de rugby, qui reste évidemment le cœur de tout ce qu'on fait et l'ADN foncier de toutes nos activités, on est devenu aussi organisateur d'événements. On en accueille un peu plus de 300 par an au-delà des 15 matchs qu'on a dans l'année. Puis on est aussi restaurateur, promoteur immobilier, hôtelier depuis un an. Donc on essaye de retrouver cet esprit d'équipe et ses valeurs dans tout ce qu'on fait. Ils sont là, les rugbymen, ce soir ? Ils sont venus ? J'espère qu'ils dorment, parce qu'ils ont un gros match ce samedi. Ils sont rentrés d'Angleterre hier. Et puis samedi, on joue contre les Bulls des Africains. Pour ceux qui veulent revenir dans ce stade, on fait des événements, bien sûr, et on est ravis de vous accueillir. Okay. On fait aussi des matchs de rugby le prochain samedi, 18h30. Donc okay. Toi, t'es comme Giroud, quoi. Tu vas vérifier qu'ils sont bien au lit la veille d'un match. Voilà, je suis ravi d'être avec vous, mais j'espère qu'ils dorment. Ouais. Ouais, j'ai bien compris. Une question sur, justement, l'avenir de ce club. Il y a eu une Coupe du Monde de rugby qui s'est déroulée il y a quelques semaines. Tu as eu l'honneur d'accueillir les All Blacks. C'est une grosse déception en France, mais c'est le sport, hein, c'est comme ça. Comment ça a été vécu ici ? Ouais, bah c'est vrai que comme pour nous, comme pour tous, il a manqué le bouquet final qu'on espérait tous avec la victoire de la France. Nous, on l'a vécu de manière un peu particulière. On avait une deuxième équipe. Bah c'est vrai qu'on a eu la chance d'accueillir la Nouvelle-Zélande. Donc, les All Blacks dormaient dans notre hôtel qui est juste là et s'entraînaient dans nos installations. Donc, c'est vrai que c'est toute fausse modestie mise à part. C'est une belle récompense que l'équipe la plus prestigieuse du monde, quand elle vient jouer sa Coupe du Monde en France, elle choisit ses installations du rugby. Donc, on les a un peu supportés aussi. Évidemment, pas contre la France. Et on a été déçus 2 fois en quart de finale parce que la France a perdu contre
l'Afrique du Sud, puis encore face à des Sud-Africains avec les All Blacks en finale. On espère les battre, nous, samedi, en termes de club. Eh bien, on peut applaudir Yann Roubert, président du Loup. Philippe Raffner, Pascal, c'est un des géants de l'intérim, c'est Adecco France. Adecco, c'est 100 000 intérimaires en France. Bonjour Philippe, bonsoir Philippe. Bonsoir exactement. Marc. Alors, je sais que la filière événementielle est très bouleversée par des problèmes notamment de recrutement, on n'arrive pas à trouver des freelances, etc. Est-ce que l'intérim peut être une réponse ? Tout à fait, l'intérim c'est un vrai tremplin pour retrouver un emploi. C'est que c'est une mauvaise image l'intérim quand même dans l'opinion. Non, on est complètement sorti de ça aujourd'hui. Je pense que c'est un vrai tremplin pour aller vers un métier qu'on ne connaît pas forcément encore. Et c'est aussi un moyen de tester, de découvrir les métiers, qu'ils soient des métiers du futur. On accompagne aussi les intérimaires, on les forme beaucoup. Donc un vrai sujet qui est le développement des compétences et on s'y emploie au quotidien. Alors selon mes informations que Pascal m'a transmis, il semblerait que vous êtes en train de signer un accord avec Microsoft dans le monde entier sur l'usage professionnel de l'IA générative. Alors l'IA générative et l'intérim, il faudra que tu nous expliques. C'est hyper important aussi pour nos propres collaborateurs et pour les gens en général. Je pense qu'il faudra, de mon point de vue, il faut éviter de refuser le changement et plutôt se l'approprier. Et je pense que pour les équipes qui font du commerce, par exemple, on va tous devenir des vrais prompt ingénieurs. On va devoir s'acclimater et travailler avec les IA demain. Donc, important que tout le monde soit sensibilisé, y compris nos collaborateurs intérimaires. Tu as vu la dernière réglementation, ils souhaitent contrôler l'IA. C'est une bonne chose ? C'est un progrès ou c'est Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait du contrôle, mais en tous les cas, c'est très bluffant quand on s'y intéresse de voir à quel point ça peut nous aider, nous assister. Ça transforme, ça remplace pas les gens, mais ça les aide bien en tous les cas. On peut applaudir Philippe Raffner, patron marketing de Adecco. Et puis Pascal, alors j'ai découvert que Laurent Cormier, directeur délégué de l'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, il dirige la région sans doute la plus touristique et notamment leader mondial dans les sports d'hiver. Pascal. Vous pouvez répondre. La, oui, la deuxième région touristique de France après Paris. Oui. Et oui. Avant le sud en termes de consommation. Et quant au domaine skiable, oui, avec les États-Unis et l'Autriche, on se tire un peu la bourre tous les hivers depuis à peu près 25 ans maintenant. Oui. Donc il y a un formidable événement qui va se produire dans quelques années, c'est les Jeux Olympiques d'hiver. Qu'est-ce que ça va changer pour la région ? Qu'est-ce que ça va changer pour l'écosystème événementiel, justement ? Sur l'écosystème événementiel, ça va changer beaucoup de choses. On l'a vu, on parlait de rugby avec Yann à l'instant. Oui. Pas le rugby, les sports d'hiver, je vois pas le rapport. Si, le rapport, c'est déjà l'attractivité de nos destinations dans le monde entier. On a vu comment ça a rayonné. On a reçu à Lyon et Saint-Etienne, là, pendant 6 semaines de la Coupe du Monde, plus 15% de visiteurs internationaux. Donc sur les Jeux Olympiques, c'est aussi de la médiatisation dans le monde entier, puis c'est aussi des gens qui viennent chez nous dans les 175 stations que compte la région. Donc c'est économiquement forcément moteur. Et puis on a vraiment besoin aujourd'hui de refaire un peu la fête ensemble. Je veux dire, c'était un petit peu morose ces derniers temps. Et on voit que tout ça sont des magnifiques fêtes populaires. Que pèse la com événementielle justement dans l'attraction d'une destination, d'une région touristique comme Rhône-Alpes ? Ça pèse lourd là, comme événementiel, mais c'est surtout la manière dont on est capable aujourd'hui de structurer un petit peu l'offre partout. Oui. Mais c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir toucher aujourd'hui des clientèles d'une trentaine de pays dans le monde, avec non seulement l'été et l'hiver, mais aussi une région, et c'est pour ça qu'elle est plutôt en tête de liste, une région qui est éligible toute l'année, 4 saisons, parce qu'elle est vraiment multifacette, et c'est pour ça que c'est sympa de se lever de chaque matin pour faire du tourisme ici. Eh bien, on peut applaudir Laurent Cormier, directeur délégué d'Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne. Alors, on vous a remis un petit carton. Oui, oui, vous avez un carton. Vous allez les annoncer en écoutant Marc. Allons-y. Donc, vous allez annoncer médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. Et donc, comme tous ces projets sont intéressants, on a décidé de tous les faire monter sur scène pour qu'ils puissent témoigner, expliquer ce qu'ils font. Et vous allez voir, c'est assez passionnant. On y va. Alors, la médaille de bronze est décernée à 79. Médaille d'argent, on enchaîne. 79 sur scène. Médaille d'argent. La médaille d'argent est décernée à Spark Up. Spark Up. Bravo. Et la médaille d'or. Et la médaille d'or est décernée à Maison Trafalgar. Yeah.
Alors, on va commencer avec la maison Trafalgar. Où est-elle, la maison Trafalgar? Où est-elle? Prenez un micro. Prenez un micro, madame. Allez-y. Donc, la maison Trafalgar, c'est un truc de fou. C'est de l'écriture haute couture. Alors que moi, je pensais que l'événementiel, c'est des paillettes, des projecteurs et tout. Le jury a décidé de primer en médaille d'or l'écriture. Comment ça marche, Trafalgar? Donc, c'est, en fait, c'est presque une vocation, c'est une mission qui existe depuis plusieurs années. Et finalement, vous avez prêché souvent dans un désert et c'est en train de marcher. Alors, on peut dire ça comme ça ou non. La maison Trafalgar existe depuis 8 ans maintenant, on en est très fiers. On est fiers de notre mission, on est fiers de représenter ici les entrepreneurs littéraires. Et puis très heureuse de gagner ce prix qu'on va aussi partager avec notre équipe qui est dans la salle. D'accord. L'engagement littéraire, ça veut dire quoi? C'est que vous faites appel à des écrivains, à des poètes. Expliquez-nous comment on peut intégrer ça justement dans des événements d'entreprise, dans des événements internes. Alors déjà, ce qui est spécifique, on parlait d'intérim. Quand on a créé cette entreprise il y a 8 ans avec Bérangère, on s'est fait une promesse, c'était celle de développer l'employabilité des talents littéraires. Donc c'est extrêmement rare dans notre secteur, mais tous les littéraires de chez Trafalgar, que vous voyez, sont tous internalisés en CDI. Donc c'était très important pour nous déjà de revaloriser ce secteur de cette manière. Et puis ensuite, effectivement, on écrit tous les jours, on est payé pour ça, c'est un vrai métier, c'est pas un métier de saltimbanque, donc c'est très important pour nous de le dire. On investit beaucoup sur l'image, sur la vidéo, sur des buffets, et très rarement dans l'écriture, donc le secteur de l'événementiel a forcément été extrêmement friand de voir arriver Trafalgar sur le secteur. Après, nos écrits peuvent se transformer aussi en audio, et il y a mille et une façons de mettre l'écriture au centre d'un événement. Nos partenaires de chez Nuit Noire, d'ailleurs, qui sont spécialistes en son immersif, sont un atout majeur pour le développement de Trafalgar dans l'événementiel. Alors Valérie Lorenz a adoré cette entreprise. Valérie, je suis juste devant, premier rang. Regarde, je suis juste là. Ah oui, oui. Tu sais, on ne te voit pas. Oui, je sais. C'est dans le noir. Je sais. Donc pourquoi Trafalgar? Pourquoi cette entreprise a particulièrement intéressé le jury? Alors déjà, pour vous dire à toutes les deux, au-delà du bravo bien évidemment, c'est que vous avez été primés à l'unanimité. On a tous eu un coup de cœur. Vraiment, quand on vous a vu, on a été impressionnés. Et surtout, on s'est dit, c'est un pari. C'était un pari pour changer le cours de l'histoire. Et on s'est dit, finalement, elles nous prennent à contre-pied sans utiliser le clavier. Oui. Elles utilisent l'intelligence humaine, donc, et pas du tout l'intelligence artificielle. Donc ça, ça nous a interpellés. Et on s'est dit, ben, bravo, bravo pour tout ça. On s'est dit, il y a la haute couture. Ben, maintenant, on sait qu'il y a la haute écriture. Et voilà, et on a été subjugués par votre présentation aussi. Vous avez fait un pitch vraiment qui s'est démarqué. C'est vrai. C'est vrai. Ils sont démarqués et c'est vrai que pourtant, moi, on est tous quand même assez exigeants en tant que chef d'entreprise sur les prises de parole. Et vous avez vraiment bien illustré ce que vous pouviez faire. Yann Roubert a beaucoup aimé aussi. Pourquoi? Ouais, parce que j'ai pas que des poètes dans mon équipe. Donc, oui, ça c'est vrai. Donc c'est vrai que ça fait une vraie différence. Mais c'est vrai que comme tout le monde, je suis tombé sous le charme. Et à l'heure où on parle beaucoup d'une autre intelligence, de remettre l'intelligence humaine au centre, ça nous a beaucoup touchés. Et puis c'est vrai qu'on parle énormément de digital, donc d'avoir de l'écriture, ça nous fait tous un bien fou, particulièrement par les temps qui courent. Et puis surtout, il faut dire qu'elles ont réussi leur coup quand même. Tout à fait. Trafalgar. On peut applaudir Trafalgar, le coup Merci de Trafalgar. Beaucoup. Merci. Médaille de bronze, c'est... Médaille d'argent, c'est Spark Up. Alors Spark Up, avancez-vous, prenez un micro, messieurs, dans Spark Up. J'ai pas tout compris, c'est un outil digital qui permet de développer l'engagement dans des événements. Alors comment ça marche? On va regarder les images, explique-nous. Vas-y, parle de... Tu as un écran devant toi. Ah, super. Alors vas-y. Alors Spark Up, c'est une plateforme d'engagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, on va pouvoir prendre en charge toute la partie inscription, tous les sites web event, comme plein d'autres. C'est très bien, c'est important, mais au final, tout ça, c'est quoi? C'est 6-7 minutes dans le parcours utilisateur moyen, que ce soit des événements présentiels, hybrides, virtuels, toute la partie amont, finalement, ce mur, là, c'est très peu de temps. Donc ça, tout ça, c'est des gens qui sont physiquement présents. Tout ça, c'est du live. Ouais, tout ça, c'est du live. L'idée, c'est vraiment d'essayer de, pour des participants à distance, quand on fait de l'hybride ou du virtuel, c'est d'essayer de vraiment pousser l'engagement, faire en sorte qu'on puisse les voir, D'accord. qu'ils puissent parler, qu'ils puissent applaudir, qu'ils puissent poser des questions, etc. Cette performance technologique, comment tu arrives à les avoir tous sur le même écran? Bah, on a développé la techno qui va bien pour ça. D'accord. Alors ça, c'est une techno incroyable. Et Philippe Raffner d'Adeco a adoré
Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a plu ? C'est la performance techno ? C'est ouais, quoi ? Mais je pense qu'unanimement, on était séduits parce qu'ils ont réussi à redéfinir la façon de concevoir des événements et de les vivre. En fait, ça crée de l'engagement, c'est ludique. Et souvent, quand c'est distanciel, c'est pas très sympa. Les gens peuvent un peu s'endormir derrière leur écran. Donc là, ils peuvent participer. Combien ça coûte ? C'est vraiment pas cher. C'est une bouchée de pain. C'est, ouais, mais concrètement, c'est presque gratuit, pour te dire. Très bien. Bon, bah, si c'est presque gratuit, on peut l'applaudir. C'est Spark Up. Médaille de bronze, maintenant c'est 70Night. Alors c'est une application team building innovante. Alors des applications team building, il y en a plein les rues. Qu'est-ce qu'elle a de plus, la tienne ? Alors déjà 70Night, on n'est pas que dans le digital, mais on c'est une de nos spécialités. Et cette application permet en fait de faire des... en fait, il y a plein de choses, on peut faire des escape games, on peut faire plein de choses comme ça. Et celle qu'on a présentée particulièrement, c'est un module qui permet de faire de l'inscription quasiment en temps réel. C'est-à-dire que tout simplement, on avait un exemple, 800 personnes, des personnes qui allaient sur une destination qui était inconnue, ils ne pouvaient pas s'inscrire en amont sur des activités à la carte. Et ils avaient donc 30 minutes pour s'inscrire sur 20 parmi les... deux activités parmi les 20 proposées. En une demi-heure, 800 personnes avec une connexion quasiment inexistante, et donc on a développé cette application qui était chargée en amont, et après ils pouvaient s'inscrire très rapidement, et ça remplissait les quotas, et ça leur générait les rotations également pour chacun. Ça coûte combien ? Pas cher, pareil. Très bien. Laurent Cormier, il a adoré, pourquoi ? On peut l'applaudir. Oui, on a adoré, et pourtant, effectivement, en matière de gamification, on se pose toujours beaucoup de questions. Enfin, moi le premier, est-ce que c'est un gadget ? Est-ce que c'est un vrai levier opérationnel sur l'expérience touristique, pour parler que de mon métier ? Et quand vous nous avez parlé de ça, il y a quelque chose qui nous a séduit, en effet. C'est cette dimension immersive et cohésive qui incarne complètement le job que vous faites, c'est-à-dire accompagner les entreprises sur du team building et de l'incentive. Et on a trouvé ça remarquablement bien foutu. Eh bien voilà, c'est le palmarès. On les applaudit tous les Merci. Trois. On va les revoir à l'écran. Et je vais vous demander de vous approcher du fond devant la scène pour le photographe. Et puis, mon cher Pierre-Nicolas, on va enchaîner sur la catégorie suivante. Allez, enchaînons. Donc la catégorie suivante, mon cher Pierre-Nicolas, on peut applaudir ses lauréats. Merci la beaucoup. La première catégorie. Merci. Merci, catégorie 2, prestataire événementiel. Voilà, donc les prestataires de l'événementiel, on avait Airstar, ils sont avec nous. Attends, trois Pardon. Secondes. Excuse-moi. En régie, vous dormez ou quoi là ? Non, je déconne. Prestataire événementiel. Le petit mapping, s'il vous plaît. Donc pour révéler les prestataires événementiels, on va accueillir sur scène Thomas Tressac, Thierry Cinquin, Anne-Solène Chapuis et Gaëtan Muller. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors Pierre-Nicolas, c'est normal, hein, c'est du live, voilà. Donc Pierre-Nicolas, on va commencer par présenter ces 9 candidats. C'est ça. Donc la différence entre les solutions et les prestataires événementiels, c'est... Dans les prestataires, on a mis plutôt le hardware, hein, les gens qui sont sur site. On est dans le dur, on est dans la matière là. On est vraiment soit dans la bouffe, dans la technique. Exactement. Tout ce qui permet qu'un événement soit réussi, en fait. Absolument, oui. Alors on commence avec traiteur. Le premier c'est... Airstar. Alors Airstar, ils sont avec nous ce soir. C'est 30 ans d'invention dans l'éclairage et dans la mise en lumière à l'intérieur, un peu partout. Donc Airstar, ils sont venus de Grenoble. On peut les applaudir. Ouais. Très belle entreprise. Deuxième candidat, mon cher Pierre-Nicolas, c'est gastronomie. Alors ça, c'est de la scénographie sensorielle, c'est de l'émotion dans le fooding. Donc là, on est dans le fooding, dans l'émotion sensorielle. Regardez comme c'est beau. Ouais. On peut applaudir, c'est gastronomie. Easy Module. Alors Easy Module nous ont apporté un concept un peu nouveau de mobilier modulaire, un bar qui permet aussi de faire d'autres choses. Eh bien voilà, c'est Easy Module, un bar qui permet de faire autre chose. Événement magique. Voilà, tout simplement la magie. La magie à l'état pur, la magie. Donc c'est la magie, je sais pas où ils sont, on les applaudit. C'est la vraie magie, la magie quoi. Cinquième candidat, Pierre-Nicolas, c'est Instant Lumière. Oui,
C'était le premier centre de table lumineux, décoratif, interactif et sans fil. Voilà, donc vous voyez, ça c'est magnifique pour les dîners mondains. Cinquième candidat, c'est la fine fourchette. Ouais, un traiteur engagé. Oui, ils sont là, hein, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas loin de toi. Certifié avec une démarche un peu particulière sur la RSE et sur le circuit court. Allez, le circuit court, c'est la fine fourchette. Alors Novelty, c'est eux qui éclairent et qui se nourrissent cette soirée. C'est vrai, donc ils se débrouillent bien. Pour l'instant, ils se débrouillent pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait de beau ? C'est un défi technique et humain exceptionnel, notamment là, justement, réalisé pour Groupama, il me semble. Oui, hein. C'est ça qu'ils nous ont apporté. Absolument. Voilà, donc c'est Groupama et Novelty, on peut les applaudir. Ensuite, nous avons Tech Live Group et Eurosono. Voilà, donc un autre poids lourd de la mise en lumière et de la prestation audiovisuelle. Donc là, c'est des projections nomades. On va reparler tout à l'heure de la lumière à Lyon avec le grand événement qui vient de s'achever. On peut les applaudir, Technique Live. Et enfin, Traiteur Grand. Alors, Traiteur Grand, il est venu avec un projet un peu différent puisque lui, il a surtout axé sur le recrutement, sur les talents, sur les façons de le sourcing de son staff, en fait, et la façon de faire venir dans les métiers de la restauration. Eh bien voilà, on peut applaudir Traiteur Grand et tous les candidats de cette deuxième catégorie. Alors, Pascal Bazillier, on va commencer avec Thomas Tressac, qui est le DIRCOM région sud-ouest, sud-est, sud-sud, enfin je ne sais plus. Grand sud. Hein. Ouais, sud-est, c'est le grand sud. C'est Pascal, Auvergne-Rhône-Alpes-PACA, hein, c'est ça Marc. Pascal, est-ce que Orange est le plus gros investisseur en com événementiel aujourd'hui ? C'est un gros investisseur et depuis des décennies, je dois dire, puisque c'est une grosse entreprise. Donc ils ont beaucoup de salariés et ils ont beaucoup d'innovations qui font, qui communiquent. Et ils ont toujours fait des grands événements pour présenter leurs innovations. Alors Thomas, bonsoir. Bonsoir. Donc, un grand événement pour Orange et partenaire des JO, c'est dans quelques mois. Oui, ça se prépare déjà depuis 2 ans. Voilà, donc sur le sud-est, ça va être beaucoup, beaucoup d'événements puisque Lyon sera impacté, Saint-Étienne, Nice et Marseille, avec le foot et sur Marseille, la voile sur la Marina. Et oui, la donc, voile, on l'oublie, hein, c'est un sport médiatisé qui commence tout à fait. Et ben, les JO, c'est la connectivité que peut apporter le groupe Orange. Comme tous les événements, on a besoin de la bonne connectivité pour pouvoir bien transmettre les salles presse, le digital pour le grand public, pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, TikTok, etc. Donc c'est vrai que la connectivité est partout. Mais je crois que c'est la première fois qu'il y a un seul partenaire technique pour toute la connectivité des JO. Tout à fait, que ce soit Tokyo, Londres, toutes les grandes compétitions, il y avait 2, 3, voire 4 opérateurs présents. Ça sera la première fois des JO qu'il y aura un seul opérateur technique. Et Thomas va faire ça tout seul en plus. Voilà, on peut applaudir Thomas Tressac, Orange. Alors on est ravis de l'accueillir, c'est le président directeur général du Chat Blanc. Vous savez ce que c'est le Chat Blanc, madame ? Chat Blanc ? Non. Le Chat Blanc ? Ah, bonne question. Feu vert. Bravo, très bonne réponse de monsieur. Vous appelez comment ? Nicolas. Voilà, Nicolas a trouvé la bonne réponse. Alors pourquoi le Chat Blanc pour une boîte qui est dans l'équipement automobile, où on salit les mains avec de l'huile, etc. C'est quoi l'idée ? Bah justement, c'est l'inverse. Et c'est aussi la proximité avec l'humain qui fait que les animaux sont considérés comme des choses majeures par l'ensemble de la population, que ce soit chien ou chat. Alors les chiens, c'était déjà un peu pris, donc le chat, c'était le complément. Alors, Feu Vert, c'est une grande entreprise lyonnaise installée dans toute la France, même toute en Europe, et qui est confrontée à un énorme problème. C'est aujourd'hui une transformation liée aux véhicules électriques. Donc, qu'est-ce que ça va changer dans votre business quotidien ? L'arrivée de l'électrique, ça veut dire que c'est plus compliqué ? C'est à la fois plus simple et plus compliqué. Ça implique d'avoir un volet formation assez poussé, puisque ça peut être un peu dangereux si on met les mains là où il ne faut pas. C'est-à-dire que ça peut être mortel, en l'occurrence. Donc ça veut dire un gros mouvement de formation pour que l'ensemble de l'effectif technique puisse maintenir ce type de véhicule. Et donc, une nouveauté chez Feu Vert, ça va être notamment les flottes de véhicules qui vont avoir leur propre magasin. C'est quoi l'idée ?
Bien, l'idée, c'est que globalement, notamment avec l'électrique, on va avoir de plus en plus de voitures qui seront des voitures achetées par des grands loueurs. Et donc, il faut amener aux gens qui sont des conducteurs un service qui fait qu'ils ne perdent pas trop de temps quand ils viennent entretenir un véhicule. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est, quand on a un peu de volumétrie, de faire un centre dédié à ce type de population, avec des services qui leur permettront de continuer à travailler en étant chez nous, s'ils attendent la fin de la maintenance. Dernière question, est-ce que tu vas faire un peu d'événements dans les années qui viennent, les mois qui viennent ? Parce que si tu es là, c'est pour qu'on te motive un peu, quoi. Oui, mais on en... Alors déjà, on en fait un par an qui est grand, puisqu'il faut réunir... C'est pas assez un par an, il faut en faire beaucoup plus, non ? Eh bien, on fait avec les moyens dont on dispose. Mais on en fait un qui coûte à peu près 1 million d'euros par an. Ah oui, vous avez entendu là, dans la salle ? Voilà. 1 million d'euros. On peut l'applaudir. Merci d'être avec nous, Thierry Cinquart. Je vous en prie. Vert. Anne-Solène Chapuis, Solvay. Donc, bonsoir. Bonsoir. Pascal, un parcours particulier, Anne-Solène Chapuis. Étonnant. En tout cas, une femme très, très dynamique. En tout cas, quand j'ai lu votre portrait, je me suis dit, mais comment fait-elle ? Bah, de l'énergie. D'énergie. Non, je me suis juste dit que donc, si je racontais mon curriculum, ça n'allait pas intéresser grand monde de savoir quel type d'études j'avais fait. Donc, je préférais vous partager mon quotidien. D'accord, le quotidien, c'est Netflix un peu quand même. Hein. Netflix. C'est quoi la différence ? Bah, globalement, entre vous et moi. D'accord. Elle est forte, hein. Donc, Solvay, les chiffres sont impressionnants. C'est 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, entreprise lyonnaise. Oui, dirigée par une femme. D'accord. Donc, leader dans quel domaine ? Merci. Dans le domaine de la chimie. Oui. Dans la chimie des matériaux et de la chimie des commodités. D'accord. L'avenir de ce secteur, est-ce qu'il va être serein dans les années qui viennent ou risque d'être un peu chahuté avec les problèmes de matières premières, les problèmes géopolitiques que nous traversons ? Ça va être un petit peu tout ça. C'est un univers qui répond totalement au monde dans lequel on vit. On a tendance à dire chez nous « part of the problem, part of the solution ». On ne peut pas avoir un monde qui évolue sans avoir la souveraineté industrielle qui est liée au périmètre qu'on a en Europe. Et en même temps, on ne peut pas non plus oublier ce qu'on a fait dans le passé. Donc il va falloir qu'on avance différemment, autrement, de manière plus durable. Et c'est ça qui est intéressant aussi. L'événementiel dans l'activité, c'est quoi ? C'est une activité périphérique ou c'est quelque chose qui est intéressant pour mobiliser les énergies, rassembler les gens ? Interne et externe. En interne, énormément pour nos employés et en externe, on a plusieurs événements. Tous les salons avec les clients, ce que nous, on appelle du B2B, business to business. Petit clin d'œil aux étudiants qui doivent en manger un petit peu. Et puis aussi toute la partie de prix institutionnels. Donc on a le prix Ernest Solvay, qui est un petit peu l'équivalent des Grammy de la chimie. Puisque d'abord, ils viennent gagner le prix Solvay chez nous et après, ils gagnent le prix Nobel. On peut applaudir Anne-Solène Chapuis de Solvay. Alors Gaëtan Muller, Pierre-Nicolas et Pascal, ça représente donc la SVEL, hein, c'est le club mythique de Lyon. Bonsoir Gaëtan, ancien professionnel de basket. Effectivement. D'accord, donc tu t'es bien reconverti, c'est pas mal. On a essayé. D'accord, donc le basket est un sport magnifique, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas l'audience ou le sponsoring qu'il mériterait par rapport au foot par exemple ou au tennis. Alors peut-être le basket français en général. Après, on a la chance ici avec l'ASVEL, le DLC ASVEL, d'avoir pas mal de partenaires qui nous accompagnent de manière générale. Donc, puisqu'on a un chiffre d'affaires de près de 23 millions d'euros et près de 15 millions sur le sponsoring. Donc on a quand même, je dirais, on est quand même assez bien doté. Après, effectivement, on peut toujours le débattre par rapport à d'autres sports, mais entre guillemets, voilà, de notre côté, on n'a pas trop à se plaindre, même si, bien sûr, on est toujours à la recherche de partenaires, si toutefois certains sont intéressés de venir avec nous dans l'aventure. Très bien. Alors, un nouveau lieu qui vient d'être lancé il y a peu de temps, un lieu de basket, mais aussi un lieu d'événement à Lyon. Oui. C'est une salle qui est attendue depuis très, très longtemps, une salle multifonction, la LDLC Arena. 16 000 places en concert et 12 000 places en format sport et basket. Donc on est très très fiers de ce nouveau lieu que l'on a inauguré il y a moins d'un mois. Et ben voilà, beaucoup de choses se passent là-bas, des concerts, des événements et surtout du basket. Prochain concert, c'est quoi ? C'est qui ? City
Alors, prochain concert, je crois que c'est Sting. C'est surtout le prochain match. C'est jeudi prochain contre Panathinaikos. On peut avoir des places ? Ça se discute. On peut applaudir Gaëtan Müller, président de l'ASVEL. Voilà, donc on vous a remis un petit carton. Ils vont le lire à deux. Voilà. On va faire circuler. Donc je vous rappelle les candidats dans cette catégorie prestataire événementiel. Donc attention, on y va. Bon, médaille de bronze. Elle est attribuée à événement magique. Super. Médaille d'argent. La médaille d'argent est attribuée à Airstar. Airstar. Bravo. Et enfin, la médaille d'or. Donc la médaille d'or. La médaille d'or, c'est la fine fourchette. Allez, tout le monde sur scène. Tout le monde sur scène. Alors, on va commencer avec la fine fourchette. Donc, on n'a pas à récompenser un plat, une réception, une déco, mais plutôt un projet de transformation vertueux tourné vers la diversité et le maillage territorial. C'est ça ? C'est beau, hein ? C'est magnifique. Alors, comment ça se fait que tu aies cette idée ? C'est quoi ? C'est parce que les traiteurs ont du mal à trouver des personnes qualifiées aujourd'hui comme un peu le problème dans la restauration ? Tout simplement, c'est une chose qui... Notre métier est essentiel dans l'événement, pour savoir qu'on fait manger à tout le monde. Donc ça, c'est important. Mais c'est surtout que je pense qu'on a une part très importante de tout ce qui est événementiel, mais au niveau alimentaire, personnel, matériel et tout ça. Donc on a décidé de mettre des choses un peu en place pour que les choses soient beaucoup plus vertueuses. C'est-à-dire, concrètement, vous avez mis quoi en place ? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on s'est engagé avec des petits producteurs par rapport à une certaine catégorie de produits, comme tout ce qui est légumes et autres. Par exemple, pour un petit exemple, parce que je vais être très long autrement. Oui. Et c'est pas le genre. Mais par exemple, on travaille avec Champilou, qui est sur Grenoble. C'est de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire que c'est un garage qui a été transformé en champignonnière. Et on s'est engagé avec eux sur l'année pour prendre une certaine volumétrie, pour pouvoir assurer tous nos produits... Donc, à la semaine. Alors, Thomas Tressac d'Orange, tu as beaucoup aimé, pas seulement l'aspect bio, etc., mais aussi l'aspect diversité. Oui, c'est la démarche, parce que pour des traiteurs, on aime tous bouffer, hein, je dirais, pour chaque événement. Surtout à Lyon. Hein. Surtout à Lyon. Mais c'était de voir cette démarche qui était totalement RSE, que ça soit diversité, l'inclusion dans toute cette démarche de recrutement de vos employés, etc. Mais c'est aussi cette démarche environnementale qui est complète. Voilà, souvent, au niveau des traiteurs, on a souvent une démarche environnementale, mais cette démarche diversité n'est pas totalement mise en avant. Et c'est ce qu'on voulait féliciter aussi sur ce que vous faites, ce que vous menez, parce que c'est aussi à se construire avec l'ensemble de vos équipes. C'est tout un travail qu'il fallait récompenser. Voilà. Eh bien, bravo à la fine fourchette pour cette médaille d'or. Merci. Alors, médaille d'argent, c'est Airstar, l'inventeur des ballons éclairants. Et vous venez de Grenoble. C'est une entreprise qui a été créée quoi, il y a une vingtaine, trentaine d'années ? 30 ans. On fête nos 30 ans l'année prochaine. Alors, c'est incroyable parce que ces ballons éclairants qu'on voit sur les Champs-Élysées, ils ont été jusqu'à Hollywood, ils ont été dans les Émirats, ils ont été en Chine, ils ont été partout. Oui, c'est une idée un peu géniale qu'a eu notre fondateur Pierre Chabert il y a une trentaine d'années, en 1994. Une idée un peu folle qui est issue de son esprit et qui a fait son chemin, effectivement, que ce soit dans le cinéma, dans l'événementiel et dans les travaux publics. Le plus grand événement que vous ayez eu à couvrir, c'est quoi ? C'est sans doute les plus grands événements. On les compte parmi les JO, effectivement. On a participé à la plupart des JO sur la planète. Et l'événement qui t'a touché le plus en termes d'émotion ? Bah moi, je suis lyonnais, donc c'est la fête des Lumières, effectivement, 2006 pour la dernière, mais j'espère y retourner bientôt. Et donc oui, participer, parce qu'on est chez nous aussi. Moi, je suis lyonnais, l'entreprise est grenobloise, mais
on espère effectivement faire vivre notre région. Alors Thierry Cinquin et Anne Solène, vous avez beaucoup aimé Airstar. Ben oui, c'est une réussite qui est absolument incroyable. Enfin, 30 ans déjà, et surtout, on les connaît tous, ces ballons. Donc, c'est génial de découvrir l'invention qui est derrière, de les voir perdurer dans le temps, de les voir être aussi fédérateurs et de voir que ça continue de vivre encore et encore. Donc, on a hâte de voir la prochaine Fête des Lumières avec vous. Donc, Thierry. Avec plaisir, merci. Thierry Cinquin, derrière tout ça, il y a une industrie, en fait, qui est encore artisanale, mais on sent qu'ils sont en train de déployer quelque chose d'intéressant. Alors, il y a une industrie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'innovation, qui a 30 ans, ils ont réussi à rester, on va dire, au sommet de leur art en maintenant l'innovation face à une concurrence, je pense principalement asiatique, qui a développé les technos qui peuvent paraître moins chers. Et malgré ça, ils sont toujours en tête de leur secteur. Et donc, ils ont su s'adapter et continuer à innover pour rester là où ils sont. Et ça, c'est pour moi une performance qui mérite le respect. Voilà, bien, on peut applaudir Airstar pour cette médaille d'argent. Médaille de bronze, c'est événement magique. Donc c'est un magicien qui est venu, qui nous a impressionnés. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que depuis David Copperfield, j'ai l'impression que dans les médias, la magie est un peu tombée. Est-ce que je me trompe ou je provoque ? Mais non, c'est pas terminé. David Copperfield prévoit de faire disparaître la Lune en février. Donc David Copperfield est toujours le papa de la magie et restera toujours le papa de la magie. Alors la magie dans l'événementiel, c'est quoi ? C'est comment on peut utiliser ? Donc il y a les fameux close-up dans les dîners mondains, etc. Bon, c'est un peu, on va dire que c'est pas très nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? On essaie toujours d'innover. Comme vous pouvez le voir, j'utilise beaucoup la magie digitale, le mentalisme. Et on essaie toujours de trouver de nouveaux effets, de pousser la magie encore plus loin. Comme et non, la magie. Hologramme, j'ai entendu que tu. Hologramme, oui, exactement. Donc c'est de la magie hologramme, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit là, ça veut dire qu'on n'est plus dans le réel. C'est un mélange de réel et de virtuel. Alors Gaëtan Muller a beaucoup aimé le basket et la magie, il y a une analogie, il y a quelque chose ? Oui, moi, contrairement à ce que tu pouvais nous exprimer, moi, je trouve que la magie, c'est quelque chose d'incroyable parce que bon, on veut toujours faire en sorte qu'un événement soit magique, mais l'amener de la manière dont événement magique le met en place, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis toujours jouer sur l'innovation, la réflexion et essayer d'embarquer les gens finalement dans une aventure, ben, je trouve que c'est formidable. Donc bravo à toi. Merci beaucoup. Voilà, donc on applaudit les lauréats de cette catégorie. Merci à tous. Vous pouvez rejoindre votre place. Et on va enchaîner, mon cher Pierre-Nicolas, avec une catégorie qui est très attendue. C'est la catégorie lieu, et oui, destination. Absolument. Et attractivité. Mapping, s'il vous plaît. Alors, pour révéler cette catégorie, on va accueillir sur chaîne Charline Bresse-Vitoz, Julien Pavillard, Didier Théron, Pierre Souvigné et David Cocotier. On les applaudit. Alors, on va commencer. Et donc, nous avons Yves Rioton qui va nous éclairer parce qu'il connaît bien les lieux. Il connaît hyper bien les lieux, Yves. Donc justement, il est là pour nous éclairer. Alors, sur on cette y va. Catégorie. Allez, on y va. Parce regardez que les candidats qui s'affichent. La liste est longue. On commence, Pierre, Yves, avec Château Raja. Château de Raja. Ouais, ils sont là. Dans la salle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah, c'est bien le château de Raja. C'est un peu comme Moulinsart dans Tintin, mais c'est dans l'Est lyonnais, pas très loin de l'aéroport. Très beau château, très belle verrière pour vos événements. D'accord, donc c'est un château qui a été remasterisé. Voilà, tout à fait. On peut les applaudir. Château Raja. Ensuite, candidat 2, c'est le Cirque Imagine. Donc, Cirque Imagine, ils sont là, bravo. Donc, c'est un cirque, c'est fabuleux. C'est une aventure un peu incroyable, mais deux grands chapiteaux qui sont à votre disposition pour des événements. Du B2B, avec leur spectacle qui est loin d'être désagréable. Et ils vous feront des soirées vraiment personnalisées. On applaudit le Cirque Imagine, le domaine de Marlioz. Le domaine de Marlioz, ils sont là aussi, à Aix-les-Bains. Et ils viennent, alors c'est un grand domaine avec un très bel hôtel, mais ils viennent aussi nous présenter ici leur ciné-parc.
ainsi qu'il y a un cinéma en plein air. Cinépark, domaine de Marioles. Innoven. Innoven. Ah, Innoven, pourquoi? Ah oui. Ils sont là. In Innoven, c'est quand les ESN réinventent les lieux événementiels. Ah, ça c'est intéressant. On peut applaudir Innoven. Ensuite, l'Intercontinental de Intercontinental, Lyon et l'Hôtel Dieu. Bah, l'Intercontinental qu'on ne présente plus, c'est le groupe IAG qui a investi l'Hôtel Dieu à Lyon, un très bel hôtel 5 étoiles, en plein centre-ville au bord du Rhône. Magnifique. On peut les applaudir. Ensuite, nous avons la Bulle Workplace. La Bulle Workplace, un espace convivial, parfait pour des événements, des petits séminaires, petits ouvraux, de la dynamique de groupe, très, très sympathique. Oui, c'est aussi pour dire, et si on faisait, on prenait du temps pour soi, oui. Pour en quand plus. On fait des événements. Attendez les gars, si vous mettez à parler à deux, non, mais je vais pas y arriver. Tu parles aussi, non? On peut applaudir la Bulle. L'Augusterie. L'Augusterie, une maison également installée à vie urbaine, très intime pour des événements et des séminaires. Ils reçoivent comme chez vous, comme à la maison. Voilà, donc c'est des événements comme chez vous, comme à la maison, c'est l'Augusterie. Ensuite, la Maison Lassagne. Maison Lassagne, très bel appartement en bord du Rhône, où vous aurez un couple d'autres fort sympathiques et qui seront se mettre en quatre pour vous recevoir. Donc on est reçu par un couple, en fait, on peut les applaudir. C'est Maison Lassagne. Marcel Arty Design, Manifesta. Marcel Arty, oui. Manifesta, c'est une galerie d'art qui sert également de lieu événementiel. Donc galerie d'art, lieu événementiel. On peut les applaudir. Tout à côté de la place des terreaux. Ensuite, Megève est venu avec deux projets. Le premier, c'est Tokissim. Tout à fait. Megève avec deux projets. Tokissim, bah, c'est un salon de la gastronomie bien connu qui reçoit tous les ans des chefs de toute la France et qui fait un show à Megève qui est assez impressionnant. Je vous conseille d'y assister au moins une fois. Très bien, on peut les applaudir, Tokissim. Et puis, le palais de Megève. Le palais des congrès de Megève qui a été entièrement refait pour recevoir, bien sûr, de nouveaux événements et de nouveaux congrès. Voilà. L'office du tourisme du Val d'Arly. Ah bon, ça, oui. Alors là, c'est plus un festival qui a été créé dans toute la région du Val d'Arly, un festival de street art dans différents lieux, voilà, pour parler de l'attractivité du lieu. On peut les applaudir. Panoramique des Dômes. Ah, ils sont là. Ouais, on entend des petits cris. Ouais, ils sont là. C'est vrai. Des cris de panoramique, ça. Alors, c'est un circuit, un train, un spectacle un et volcan. Un site. Un volcan, on peut les applaudir. Et un volcan. Ouais. Panoramique des Dômes. Studio 33. Studio 33, ils sont là, des lieux atypiques, merveilleux, des forts de Vaise, forts de Fézin. Voilà, tout ce qu'il faut pour faire un événement atypique, vous les trouverez dans le groupe Studio 33. Voilà, et on termine avec Vichy Destination, bah, Vichy Événement. Vichy. Ah, Les pastilles Vichy. Sur Vichy. Les pastilles Vichy. La non, ville Vichy, de Vichy. Très belle ville. Pas des congrès, ville d'eau, magnifique, pas très loin de Lyon, tout ce qu'il faut pour faire un congrès d'excellente qualité. Merci messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse tous ces candidats. Et on va commencer avec Charline Bresse-Vitoz, directrice générale adjointe de Lavorel Hôtel. Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris, Charline, elle a fait toute sa carrière chez Accor. On lui faisait des ponts d'or chez Accor pour devenir une fonction super importante. Elle a tout laissé tomber pour aller Lavorel Hôtel. Pour un projet passion, c'est ça? Oui, c'était pour un projet passion. J'ai rejoint un homme, hein, voilà, une histoire familiale. Et aujourd'hui, voilà, je gère le groupe hôtelier Lavorel Hôtel, qui est un groupe hôtelier familial qui comprend 12 hôtels, 4 et 5 étoiles. Voyez, donc, l'image. Et avec une ambition, c'est de dépoussiérer l'hôtellerie traditionnelle. Ça veut dire exactement. Ça veut dire qu'elle est comment, l'hôtellerie traditionnelle? Elle est, C'est d'apporter, et c'est ce que j'invite tous les jours avec mes équipes, à apporter vraiment le petit plus, le sur-mesure, que ce soit avec nos clients individuels ou nos clients événementiels. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de nos établissements, c'est 60% de business événementiel, voilà, sur l'ensemble des hôtels. Sachant qu'on a également les bateaux lyonnais, où on a une grosse activité événementielle, et également le domaine viticole, le château des Ravatis. Très bien, mais on peut l'applaudir, Charline Bresse-Vitoz. Alors, un gars qu'on pouvait vraiment ne pas inviter, je ne sais pas s'il a beaucoup dormi cette nuit, c'est Julien Pavillard, qui est directeur des événements de la ville de Lyon et surtout patron de la fête des Lumières. On peut l'applaudir, Julien Pavillard. Merci, merci beaucoup.
Alors Julien, est-ce que l'édition 2023 est une bonne édition? Est-ce que tu as pu dormir un peu cette nuit pour être en forme ce soir? Alors c'est deux questions vraiment différentes, mais je trouve que en tout cas c'est une bonne édition. On a eu beaucoup de monde, on a eu une ambiance chaleureuse. Alors je ne parle pas seulement de la température qui était un peu exceptionnelle pour un 8 décembre, mais aussi parce que finalement l'ambiance était très bienveillante, toujours bon enfant. Et voilà, et le public a pu découvrir de nombreuses œuvres. Donc pour moi c'est quelque chose de réussi. Après le sommeil c'est autre chose. Alors c'est un événement mondial, hein, tu l'as dit, c'est un des plus grands événements mondiaux qui existe aujourd'hui de par la taille. Qu'est-ce que ça rapporte à la ville de Lyon sur un plan international mais aussi sur un plan économique? Est-ce qu'on a mesuré le ROI d'un événement de ce type? Alors pour la, évidemment c'est un très gros festival, c'est le plus gros festival de lumière dans le monde et c'est le quatrième événement mondial en termes de population qui vient. Même s'il y en avait trop, je comprends, on parle de la tête d'or, mais en tout cas, c'est comme ça. Et c'est aussi pour nous, bah, effectivement, une image, mais une image dont on veut se servir aussi pour pouvoir montrer qu'un événement peut devenir de plus en plus éco-responsable, tout en attirant quand même beaucoup de monde. Et par rapport aux retombées économiques, alors on a beaucoup de partenaires hein, parmi nous, parmi nos, les gens qui sont là et qui nous soutiennent sur l'ensemble des événements, mais notamment sur la Fête des Lumières. Et c'est pour les restaurateurs, pour les commerces. C'est à peu près, quand on investit 1 euro, on récupère 3 ou 5. Pas la ville directement, mais nos partenaires, et on est très heureux pour eux. Pascale Bazillé, c'est, en tant que rédactrice en chef de l'événementiel, c'est un événement majeur dans le paysage français, voire même européen? Oui, c'est un événement majeur qui a fait des petits partout dans le monde. Et puis surtout, c'est un événement de territoire. Parce que bah, je crois, Julien ne me contredira pas, c'est un événement pour la population, avant tout de la région en tout cas. Et puis c'est pour montrer aussi la diversité, la pluralité et puis la qualité de la créativité autour de la lumière. Donc c'est aussi un événement culturel et qui fait travailler énormément de gens. Eh bien, Julien, on est ravis de t'accueillir. On peut l'applaudir, Julien Pavillard. Alors, on change d'univers. C'est Didier Théron. Donc, c'est le vice-président de CGI. Alors, CGI, c'est une des entreprises de services numériques leader dans le monde. C'est 91 000 professionnels d'origine canadienne. Bonsoir, Didier. Bonsoir. Donc, l'événementiel dans votre activité, c'est quoi? C'est la transformation des équipes. On sait que toutes les entreprises aujourd'hui, on en a entendu parler depuis le début de cette soirée, se transforment digitalement. Il y a l'IA qui arrive. Et toi, ton job au quotidien, c'est de les aider finalement à changer de méthode, à s'adapter, à ne pas oublier l'humain aussi. Bah, l'humain est important et d'ailleurs l'événementiel aussi. En mi-octobre, on était là, tous réunis, CGI sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, un peu plus de 1800 personnes. Donc c'était sympa et c'est très important en tout cas pour nous l'événementiel en interne, mais aussi en externe parce qu'on contribue à beaucoup de salons et on fait pas mal de meetings avec l'ensemble de nos clients en tout cas. Alors deuxième question sur l'IA, je sais que CGI va investir $1 milliard dans l'intelligence artificielle. Pourquoi faire ? Alors on veut investir $1 milliard, mais comme on a parlé un tout petit peu d'intelligence artificielle, et puis ça c'est CGI Worldwide, moi je vais juste vous dire que sur Lyon, on a pour ambition à l'été prochain d'ouvrir un centre d'innovation dédié à la supply chain durable. Ça fait un petit moment qu'on y travaille, qu'on l'imagine et qu'on essaie de le concevoir, et je pense qu'avant l'été on va pouvoir l'inaugurer. C'est très simple, à l'intérieur de ce centre, je vais vous donner des exemples concrets, on va pouvoir digitaliser l'ensemble de la supply chain d'une entreprise. Par exemple, une problématique d'approvisionnement de matières premières, on pourra vite mesurer ses impacts sur ses fournisseurs, ses ventes, son chiffre d'affaires. Ou je décide par exemple de revoir mon schéma logistique, de produire au plus proche de ma consommation, quel est l'impact sur mon empreinte carbone. Donc voilà tout ce que vous pourrez voir dans ce centre d'innovation dédié à la supply chain durable, centre d'innovation mondiale. Eh bien merci pour ces infos, on peut applaudir Didier Théron, CGI. Alors là, on a le leader mondial de la boule de pétanque. On a le président de Obut. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort, parce que c'est franchement... Merci. Tout le monde a des boules Obut dans son coffre. Non, Pierre? Oui, je l'espère. Donc, c'est 2000 tonnes d'acier chaque année utilisées. Oui, effectivement, on fabrique 2 millions de boules par an avec 2000 tonnes d'acier et on les fabrique à Saint-Maurice-Château dans la Loire, au-dessus de Saint-Étienne. Donc ça, c'est votre usine à Saint-Bonnet, voilà. Le château dans la Loire. Exactement. Vous avez du mal à recruter les talents là-bas ou au contraire, c'est facile? On a comme tout le monde un petit peu de mal, mais on a une,
On a de la chance parce qu'on est dans une région où l'emploi est assez... il se passe bien et tout se passe bien parce que les gens restent. Ils sont contents d'appartenir à la marque au but et ils sont très contents de faire leur carrière souvent chez nous. Alors, Pascal Bazillet, la pétanque, on m'a souvent dit que c'était un des sports les plus participatifs dans le monde entier. Et populaire, bon, oui. Et populaire, mais on n'en entend jamais parler dans les médias. Il n'y a jamais de compétition. Bah si, il y a des compétitions mondiales et la France est une destination, en tout cas très forte, hein, sur ce jeu, notamment dans le sud de la France. Hein, si mes notamment à Marseille. Le mondial à pétanque. Il y a plein d'événements, mais celui de Marseille est un événement phare. La Marseillaise à pétanque, c'est un événement qui a environ... qui existe depuis plus de 50 ans et qui rassemble à peu près entre 12 et 20 000 personnes. Ça fait en gros 4 ou 5 000 équipes. Ça vit pendant 3-4 jours et on fait les finales sur le port de Marseille. Donc voilà, donc pour vos événements, si vous voulez une animation vraiment intéressante, c'est la boule au but, on peut l'applaudir. Merci. Pierre Souvigné. Merci. Alors Pascal, on avait un gars, c'était le patron, voilà, le gars qui est complètement à gauche, là, vous voyez, c'est le barbu, là, avec son, oui. Qui a l'air décontracté et tout. En fait, il ne l'est pas du tout, parce qu'il se méfie de la question que je vais lui poser. Ouais. C'est ça. Donc c'est lui, c'était le patron des événements d'Orange. Donc vous imaginez le pouvoir qu'il avait. Eh bien, il a décidé de faire une retraite, c'est ça ? De prendre une année sabbatique, parce qu'Orange est une entreprise qui permet à ses salariés qui ont plus de 10 ans d'ancienneté de prendre un an pour avoir du recul sur leur vie professionnelle, notamment, voir un petit peu vers où ils vont aller et comment évoluer au sein de l'entreprise. Et David, tu t'es lancé dans un projet incroyable, c'est David, c'est Team for the Planet. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Donc c'est une ONG, c'est une entreprise à but non lucratif ? C'est une entreprise à but non lucratif qui regroupe aujourd'hui 144 000 associés, donc actionnaires. Cette entreprise investit dans des projets, dans des innovations qui ont pour objectif de réduire les gaz à effet de serre. Team for the Planet a 4 ans. C'est une entreprise qui a levé 26 millions d'euros. Et l'objectif, il est encore plus grand. C'est 1 milliard d'euros de levée. À échéance 2030, mais il y a d'autres échéances avant. Il y en a une en ce moment, d'ailleurs, et je vais vous en parler rapidement. On a lancé le 1er décembre la plus grande coalition d'entreprises pour le climat. L'objectif, c'est de réunir à minima 10 000 entreprises qui vont investir 1 000 euros. Donc, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, je vous invite à aller sur le site de Team for the Planet, parce que le climat... Le climat, c'est quand même quelque chose qui nous touche tous et qui nous impacte tous dans nos métiers, dans notre quotidien. Donc le but, c'est de lever des fonds et de financer des événements, des projets qui sont durables, c'est ça ? Absolument. Je veux juste donner deux exemples concrets de projets qui ont été médiatisés. Un premier projet qui s'appelle Cool Roof, Team for the Planet. Nous avons mis 1 million d'euros dans ce projet. Il est passé pas mal en télévision. C'est une peinture à base de coquilles d'huîtres, donc on peint les surfaces des grandes surfaces. Et l'idée, c'est que cette peinture a la capacité de pouvoir réduire de 20 à 30% la température dans les locaux en dessous. Sous-entendu, moins de clim. La clim, c'est 10% des rejets de gaz à effet de serre dans le monde. Eh bien, bravo. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Team for the Planet. Merci. Alors, on vous a remis un petit carton. Et vous allez révéler les lauréats de ces destinations particulièrement événementielles et attractives. On y va. C'est bon ? Allez. Et suspense, allons-y. Alors. On commence par le bronze. Allez. Non mais allez-y. On commence par le bronze. Allez, on commence par le bronze. Donc, la médaille de bronze est décernée à... Maison Lassagne. Maison Lassagne. Médaille d'argent. Allez, médaille d'argent. Alors... La médaille d'argent est attribuée à l'Augusterie. Et enfin, la médaille d'or. Et enfin, la médaille d'or est attribuée à Panoramique des Dômes. Allez ! Alors, je vois la Maison Lassagne, je vois l'Augusterie. Où est le panoramique ? Panoramique. Alors, on va commencer avec le panoramique. Regardez ces images.
Regardez ces images du plus vieux volcan français. C'est le site du Puy-de-Dôme. Alors, connu pour ses célèbres ascensions, j'aimerais qu'on envoie les vidéos en régie, s'il vous plaît. Notamment, rappelez-vous, le Tour de France, Poulidor, Jacques Anquetil, etc. Et vous, chers amis lauréens, vous avez décidé d'en faire un lieu d'événement. Expliquez-nous. Bah écoutez, je suis déjà très ému d'être là ce soir, enfin tout de suite, là, c'est assez impressionnant. Effectivement, nous, le panoramique des Dômes, c'est le train à crémaillère qui permet de monter au sommet du Puy-de-Dôme. Et on a voulu aller plus loin pour mettre en avant le territoire. On a voulu créer des animations durant chaque vacances. C'est pour ça que j'avais dit, je viendrai tous les ans, parce que je vais vous présenter tous les projets que l'on a mis en place. On a peut-être commencé par le plus gros. En tout cas, voilà, les Nocturnes du Puy-de-Dôme, c'est des spectacles tous les jeudis soirs de juillet à fin août. Tous les jeudis soirs, avec vraiment des artistes. On travaille avec deux entreprises, dont on a également le directeur qui est avec nous ce soir, Christophe Alarcon, de l'entreprise Soir de Fête, et qui vont raconter l'histoire du Puy-de-Dôme au sommet devant plus de 3500 personnes. Alors, Charline a beaucoup aimé, ainsi que Julien Pavillard. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet, finalement? Alors, je pense que c'était à l'unanimité. Hein. Vous êtes sortis du lot, parce que c'est vrai que c'est un projet assez audacieux. A priori, ce n'est pas une destination des plus sexy, mais en tout cas, vous nous l'avez vendu, vous nous l'avez bien vendu, et pourquoi, ça vous a donné envie d'y aller. Voilà. Pourquoi ce n'est pas sexy? A priori, c'est vrai que dans la région Rhône-Alpes, on a eu différentes destinations, et le Puy-de-Dôme, bon, spontanément, là, il me fait un piège. Attention, je suis à côté de Thierry Cormier, là. Laurent, bah, je corrige Charline, je dis Auvergne-Rhône-Alpes, parce que sinon, il ne pourrait pas jouer. Mais là, ouais, c'est un lieu absolument phénoménal. Ouais. Bon, en tout cas, il nous l'a bien vendu, donc ça nous a donné envie d'y aller, et c'était à l'unanimité. Ouais. Julien Pavillard, donc tu dis, putain, mais pourquoi Lyon n'y a pas pensé, quoi? C'est ça, non? Alors, surtout, je me suis dit que c'était un événement qui était très bien pensé au niveau éco-responsabilité. Je trouve que l'histoire du train à crémaillère pour emmener les gens, voir des spectacles sur un lieu qui est quand même sublime, avec une vraie vision autour, c'est pour moi, je trouve que c'est un très beau choix, un très bel événement. Et puis, c'est l'histoire de ce train. Enfin, je veux dire, arriver à pouvoir comme ça créer aujourd'hui des événements où on a faible impact carbone, eh ben, je dis bravo, parce que je pense que les touristes sont contents de venir, les visiteurs sont contents. Et bien, du coup, c'est une bonne opportunité pour l'été. On peut applaudir le Puy-de-Dôme. Merci beaucoup, merci. Médaille d'argent, c'est l'Augusterie, une expérience de vie avec l'humain au centre, c'est ça? Bonjour. Bonsoir. Oui, alors, c'est ça. L'Augusterie, c'est l'annexe de vie professionnelle des entreprises. Alors, c'est vachement simple comme idée, même on se dit, même c'est même limite banal. Et pourtant, vous êtes arrivé médaille d'argent parce qu'il y a un vrai sens à ce que vous faites. Alors, c'est pas banal. Pas du tout. Hein. Je me permets de préciser quand même. C'était pour vous provoquer un peu. Mais bon. Il y a beaucoup de lieux événementiels qui font du one-shot. Nous, c'est pas du tout l'objectif. En fait, on a à cœur à ce que nos clients reviennent. Donc, ils vont avoir des formes d'abonnement où, en fait, ils vont avoir accès à l'Augusterie entre 1 et 5 ou 6 jours par mois et ils vont revenir régulièrement. L'idée, c'est que ça s'inscrit vraiment dans une démarche qui est plus globale et on part du principe qu'une réunion qui va avoir lieu à l'Augusterie n'aura pas les mêmes résultats qu'une réunion qui va avoir lieu dans les locaux classiques. D'accord. Donc ça, Didier pas Théron, du tout banal. Didier Théron de CGI, il a vraiment adoré, quoi. Bah pourquoi oui, c'est le côté RH, parce que embarquer les gens, embarquer tes équipes, tu te dédies à l'Augusterie, je sens bien le truc. Exactement, quand on est une entreprise, ce qu'on rêve, c'est d'avoir des salariés qui sont totalement engagés. Et je trouvais ça sympa que ça soit le lieu en fait, qui provoque ça. On partage notre temps aujourd'hui entre travailler à la maison et parfois travailler à l'entreprise. Et ben, trouver un lieu qui permet en tout cas de favoriser ça et de travailler en équipe ou dans son écosystème naturel, je trouvais l'idée, moi, super sympa en tout cas. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Et l'Augusterie, donc j'ai fait l'acquisition de l'Augusterie le 30 octobre, donc c'est extrêmement récent. Et ce que je voulais préciser, je me permets, hein, c'est de dire que c'est un encouragement qui est très puissant pour nous, qui est très fort. Donc merci, merci beaucoup. Eh bien, on peut applaudir l'Augusterie pour cette médaille d'argent exceptionnelle. Médaille de bronze, c'est la maison Lassagne. Là aussi, on reste un peu dans la famille, hein. C'est ça, la maison Lassagne. Merci. Donc c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est un couple qui reçoit des gens dans leur appartement. C'est ça, c'est votre mari qui est là, c'est ça? Il est aimant. C'est lui. On s'aime encore après 7 ans à travailler ensemble. Attends, 7 ans que vous êtes mariés? Alors non, on est mariés depuis très longtemps. Depuis combien de temps? 15 ans. Bravo. Et vous bossez ensemble? Exactement. On a décidé il y a 7 ans de quitter nos carrières professionnelles, chacun de notre côté, pour travailler ensemble. On a pris ce pari. Et ça marche, on est toujours encore ensemble.
Et en fait, on accueille des événements professionnels de 2 à 50 personnes à Maison-la-Seine. C'est un appartement qui est situé près de l'Opéra sur la Presqu'île à Lyon. Et on accueille en fait tel que nous sommes. Donc je vous présente votre maîtresse de maison, Bertrand. Bravo, c'est lui Bertrand. Qui accueille tous les événements sur place. Et moi, j'accompagne tous les clients en amont de l'organisation, donc sur toutes les prestations sur mesure, que ce soit pour la restauration, l'animation, l'hébergement. Alors David Cocotier, il a adoré. C'est quoi qui t'a plu dans ce projet ? C'est que ce soit un couple qui te reçoive ? C'est que ce soit une famille ? C'est quoi l'idée ? C'est exactement ça. Non, moi j'ai adoré, c'est un petit détail, c'est dans la décoration, la notion de comme à la maison, on l'entend beaucoup dans les lieux événementiels. Moi, il y a un détail qui m'a piqué, c'est quand vous avez dit qu'au sein de votre appartement, il y avait des objets, des bibelots familiaux de votre grand-mère. Oui. Voilà, que vous aviez perdu il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Et voilà, j'ai trouvé que la notion de comme à la maison, ça a joué sur voilà, l'émotion. L'événementiel, c'est de l'émotion. Pierre Souvigné d'Aubut, toi, c'est ce qui t'a plu, c'est ça, quoi. Ce côté famille, c'est une dynastie, c'est comme la boule au but, en fait. Non, c'est vraiment original. Et puis, vivre une expérience comme ça, j'aimerais bien la vivre, parce que vous avez eu le culot de le faire. Félicitations. Et je trouve que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est effectivement de vivre avec les objets qui vous appartiennent et de fonctionner avec ça. C'est original. On, voilà. On raconte bon, vraiment une histoire. Voilà. C'est notre histoire de famille. Et voilà, c'est vraiment ça qu'on propose à nos clients. Et ça crée vraiment cas, une relation de proximité. Merci beaucoup. Eh bien, bravo à ces trois lauréats qui bougent les lignes. On peut les applaudir. L'Augusterie, Panoramique des Dômes et Maison Lassagne. On va enchaîner avec la quatrième catégorie, l'avant-dernière. Donc là, on va s'intéresser aux chefs d'orchestre. On va s'intéresser aux agences d'événements. Mapping, s'il vous plaît, en régie. Alors, pour révéler cette catégorie très disputée, on va accueillir Arnaud Doucher, Sarah Parento, Romain Biolchini, Laurent Fiard et Charline Bresse-Vitoz. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. I play the street light because there's no place I can go. Street light. Alors, Pierre-Nicolas, c'est moi. Donc on voit, comme je le disais, catégorie difficile. Hein. À catégorie très difficile, très serrée. Regardez très les candidats. Donc il y a plein d'agences concurrentes qui vont se tirer la bourre. Elles nous ont tous présenté des événements incroyables. Et on va commencer avec Alter Echo. Ouais, une agence qui a 20 ans d'expérience avec une double expertise, à la fois l'événementiel et l'expérience de marque. Donc l'expérience de marque, regardez les beaux événements qu'ils font, c'est Alter Echo, on peut les applaudir. Ensuite, candidat suivant, c'est Capcross. Oui, avec un tropisme sur la vidéo, sur le contenu audiovisuel, pour le rendre compréhensible, immédiat et attributif. Oulala, là là, ça c'est très intello, c'est Capcross. Ouais, Capcross. Diverti Events, c'est le troisième. Ouais, Diverti Events, ils sont venus nous voir. Ils sont voir. Où, ils sont où, Diverti Events ? Ils sont pas loin, là. Avec un jeu personnalisé qu'ils ont fait en partenariat avec le Rock Hotel, qui est juste là. Et ils nous ont présenté ce qu'ils avaient fait. On peut les applaudir. Le groupe Couleur. Ah, le groupe Couleur, comment réinventer la fan expérience ? Le groupe Couleur avec leur travail sur les voyages autour du rugby, autour de la Coupe du Monde. Eh bien, c'est le groupe Couleur, on peut les applaudir. Ensuite, nous avons une des plus grosses agences françaises, c'est Havas Media. Ouais, là, c'était un peu un événement. Ils sont venus nous présenter un événement, l'événement qui permet de comprendre les innovations dans les médias à travers une journée de conférences, de débats, de key speakers. Donc, un événement sur le planning stratégique dans les médias. Voilà, c'est Havas Media. Jolico Events, qu'est-ce qu'ils ont fait d'intéressant ? Alors Jolico, c'est une jeune agence et ils sont venus nous voir avec une spécialité un peu qui était les team building culinaires. Team building culinaires, on peut les applaudir. Jolico Events, la semaine des 4 jeudis. Ils sont plusieurs, ils sont 4.
Et les quatre jeudis sont venus nous parler d'un stand, enfin d'un stand qu'ils ont fait pour Toshiba et la façon d'optimiser l'expérience, l'avant, le pendant, l'après. Ah oui, c'est intéressant. C'est la semaine des 4 jeudis, c'est ça ? Oui, c'est ça. On peut les applaudir. Ensuite, la sphère des possibles. Ils sont venus deux fois. La première fois pour nous montrer l'événement de la convention interne Lyon Métropole ou comment réinventer en fait la plénière d'entreprise pour casser un peu les codes et en faire un village plutôt qu'une plénière rébarbative. Et ça a été fait pour Habitat, on peut les applaudir. Deuxième projet, c'est la convention régionale du Crédit Agricole. Voilà, Crédit Agricole, 3000 personnes réunies, de l'invention, de la création. Voilà. Ensuite, nous avons Lumi Events. Alors, Lumni Event, ils sont venus avec un projet qui était plutôt comment faire un événement sans que le client soit au courant et en étant basé sur l'émotion. Ouais. Eh bien, on peut les applaudir, Lumi Events. Sagarmatha. Sagarmatha, c'est sur la gauche, ouais, ils sont là. Je ne les entends pas beaucoup, mais ils sont là. Alors, Sagarmatha, ils sont venus avec aussi un énorme événement pour 1500 personnes pour Sanofi. C'est la première fois qu'il y avait tous le COMEX et un certain nombre de DIRCOM de Sanofi qui se sont retrouvés en France. Voilà, okay. 1500 personnes. C'est Sagarmatha, on peut les applaudir. Ensuite, nous avons Soledad. Soledad, ils sont amenés avec un projet de voyage responsable, travailler différemment, du voyage avec un impact positif, c'était très intéressant aussi. On peut les applaudir, Soledad. Alors, une des plus grosses agences françaises, c'est WMH. Alors, ils sont venus avec deux projets parce qu'ils veulent vraiment gagner quelque chose. Donc, le premier concerne... Alors, le premier, ça conserve justement une collaboration avec Adeco sur Vivatech, sur le salon de Vivatech, un stand centré sur l'humain, évidemment, avec Adeco. Centré sur l'humain, ça veut dire quoi, ça ? Un stand où on a essayé de réinventer le futur du workplace avec Adeco. Eh bien, on peut les applaudir. WMH. Et ensuite, dernier projet de cette catégorie, c'est encore WMH. Et là, ils sont venus avec un chalet. Alors un chalet, oui, mais pas n'importe quel chalet, un chalet sur le plus gros salon de l'aérospatial et un chalet qui essaye de faire le lien entre la techno, les smart technologies et les utilisateurs du salon. Donc un lien entre de l'humain et de la techno pour les faire vivre ensemble. Eh bien voilà, on peut applaudir tous ces candidats qui ont été exceptionnels. Alors, nous avons invité un leader européen de la technique, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé en France. C'est le groupe Novelty avec notre ami Arnaud Doucher. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Donc Novelty, sans le son, sans la lumière, sans les techniciens, sans les cadreurs, il n'y a pas d'événement aujourd'hui. Bah, sans tout ça, effectivement, sans la fusion de tous ces métiers de la technique, il n'y aurait pas d'événement et pas d'émotion. Alors c'est une belle performance Novelty, parce que vous avez démarré... Petit, là maintenant vous faites 278 millions d'euros de chiffre d'affaires, beaucoup de croissance externe et aujourd'hui beaucoup de techno, d'innovation, notamment dans l'événementiel. C'est quoi les prochaines innovations auxquelles on va être confronté dans les événements demain ? Alors c'est beaucoup sur le digital parce que la crise Covid nous a amené à travailler sur le digital. Donc on continue vraiment à se développer dans ce sens-là. Puis il y a aussi une démarche RSE derrière tout ça. D'accord. Donc, est-ce qu'on va éclairer demain autrement ? Est-ce que on a vu beaucoup d'innovations ce soir avec des gens qui sont à distance et qui vont jouer de plus en plus avec les gens présents physiquement ? On maîtrise toutes ces techniques aujourd'hui ? On maîtrise toutes ces techniques et aujourd'hui, c'est aussi les artistes. On parlait de la fête des Lumières qui a eu lieu là ces 4 derniers jours. C'est aussi les artistes qui nous poussent à innover puisqu'ils ont toujours des challenges, des idées un peu folles. Et c'est ce qui nous permet, nous, d'avancer et de créer des nouvelles technologies. Pascal Bazillier, un commentaire sur Novelty. C'est une très belle réussite. C'est une très belle réussite. C'est un leader qui fait énormément de croissance externe ces dernières années, notamment, et qui s'implante au Moyen-Orient, à Dubaï, hein, je crois que la dernière... Tout à fait. Donc voilà, et c'est un des leaders du marché qui est sur tout type d'événements, aussi bien les grands festivals que des événements. Tout à fait, et le but de la croissance externe, c'est surtout de se rapprocher de nos clients, éviter de transporter du matériel à travers le monde et à travers le territoire, et être au plus proche des événements. C'est une entreprise qui prend beaucoup d'alternants, en tout cas, qui forme vraiment les jeunes techniciens de demain. En tout cas, il y a une forte
stratégie, en tout cas de recrutement chez vous, hein. C'est ça, parce qu'on le voit tous et on le ressent tous, on a vraiment un problème de recrutement, de formation. Donc aujourd'hui, on se rapproche des centres de formation. Par exemple, à Lyon, on en a 3 et on leur fait faire des visites de l'entreprise, des visites des sites sur lesquels on travaille vraiment pour leur donner l'envie et les former au métier de demain dans l'événementiel. Eh bien, bravo, on peut l'applaudir, Arnaud Douché. Alors, nous sommes ici avec Sarah Parenteau. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. N'ayez pas peur du micro. Donc Sarah, alors ils ont monté une plateforme qui permet de réunir les grands laboratoires avec les universités, les biotech, les start-up. Et donc vous faites en sorte que tous ces gens-là se parlent pour créer des innovations dans la santé de demain. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et oui, et des événements, ça va être un moyen, un média intéressant justement pour atteindre cet objectif ? Oui, en fait, il y a des événements de partnering qui nous aident pour trouver les partenariats entre les biotech, les pharma et les universités. Pascal Bazillier, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de plateformes comme ça hein, qui mélangent les gens avec des événements physiques, des événements digitaux pour créer de la connexion, créer de la valeur. Oui, parce que l'idée, c'est de créer des ponts justement entre des secteurs qui ne se parlaient pas forcément avant et en tout cas qui ont tout intérêt à travailler ensemble pour justement faire progresser leur secteur et pour rendre service à la population bien commun, j'ai envie de dire. Eh bien, on peut appeler ça Sarah Parenteau de InPart. N'oubliez pas ce nom. Alors là, on a invité aussi une marque de cosmétiques leader, 100% naturel. C'est Romain Biolchini, directeur général de la Rosée Cosmétique. On peut l'applaudir. C'est une belle aventure. Donc la Rosée Cosmétique, ce sont deux étudiantes qui se sont rencontrées à la fac de pharmacie, je crois, de Lyon, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et qui ont créé cette boîte. Ma femme et sa meilleure amie, oui. On l'a créé il y a 8 ans maintenant, en 2015, autour de principes, comme vous pouvez voir, hyper forts, liés à l'éco-responsabilité et à la naturalité de nos produits. Et donc, on va voir des événements tout à l'heure. Vous avez monté des événements pour attirer les pharmaciens. Alors, rien ne disait que vous alliez gagner. Et aujourd'hui, c'est 8500 pharmacies qui ont signé avec vous. Pour quelle raison ? Un peu plus, 9000 pharmacies aujourd'hui. Pour quelle raison ? Parce que La Rosée, c'est une marque qui a été conçue pour les pharmaciens à 100%. C'était fondé par deux pharmaciens, ma femme et sa meilleure amie. Pour les pharmaciens, on est vendu quasi exclusivement en pharmacie. Et on a créé un événement pour aller à leur contact, les rassembler, parce que c'était hyper important dans les plus grandes villes de France d'aller à leur rencontre. L'événementiel, quand tu vois cette soirée, ce que tu découvres ce soir, est-ce que c'est inspirant ? Qu'est-ce que ça t'apporte comme idée pour diriger le développement de votre activité ? Bon, c'est de continuer avant tout à aller à la rencontre. Il faut qu'on continue à créer des événements pour être de plus en plus visible et aller à la rencontre des pharmaciens, les rassembler. Eh bien, on peut applaudir Romain Biolchini. Alors, Pascal et Pierre-Nicolas, on va terminer avec Laurent Fiard. C'est une personnalité locale. Fondateur de l'entreprise du futur, notamment ancien président du MEDEF Rhône-Alpes et président de Visiative, qui est une structure qui accompagne les PME et les ETI dans leur transformation. Est-ce que c'est ça, mon cher Laurent Fiard ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, donc, déjà, Visiative, c'est la contraction de vision collaborative. Notre ambition, c'est de créer des dynamiques d'interaction, d'où la création d'entreprises du futur, et qu'on est persuadé que c'est dans l'interaction qu'on va trouver la valeur. Donc on transforme nos clients, qui sont au nombre de 23 000, grâce au digital, grâce à la dynamique collaborative, qu'on transforme pour aller chercher de la croissance et de la compétitivité. Donc on est 1500 personnes, on est dans 15 pays. Et c'est avant tout une aventure humaine que j'ai co-créée avec un associé il y a maintenant plus de 35 ans, donc une vieille start-up qui continue à faire de la croissance. Eh bien, bravo, on peut applaudir Laurent Fiard d'être avec nous, les entreprises. On vous a remis un carton et donc vous allez révéler les lauréats de quelles sont les 3 meilleures agences professionnelles. On revoit les candidats. Alors, roulement de tambour, on y va. C'est parti. Donc, la médaille de bronze est attribuée à...
Vas-y, Sarah. WMH Project. La médaille d'argent. Pour le chalet à Codis, comme ils ont présenté deux dossiers. J'ai pas compris. Et la médaille d'argent est attribuée à ? À Sagarmatha. La médaille d'or. La médaille d'or est attribuée à ? La sphère des possibles. Sphère des possibles. La sphère des possibles. Et il y a un coup de cœur. 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 Attendez, il y a un coup de cœur. Stop, il y a un coup de cœur. C'est quoi le coup de cœur ? Le prix coup de cœur est attribué à la semaine des 4 jeudis. C'est pas vrai. Allez, tout le monde sur scène. Allez, WMH. Voilà, ah, ils sont pleins. Allez, l'agence, c'est un truc collectif, quoi. Ils sont très nombreux. On se couche. Il y a du monde dans les agences, hein. Allez, on va commencer avec la sphère des possibles. Donc, une convention interne, un projet innovant pour 3000 collaborateurs. On va regarder les images qui ont été montées pour le Crédit Agricole Centre Est. Qui a pris le micro pour en parler ? C'est moi. Bonjour. Donc, un peu d'émotion, non ? T'es content d'avoir ce prix ou... Plutôt content, oui. Ou t'es un peu blasé, non ? Plutôt content, non. On est vraiment très, très heureux d'avoir cette médaille d'or ici ce soir. Alors, parle-nous de cet événement, justement, pour le Crédit Agricole. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cet événement ? Quelle était cette prouesse que vous avez réalisée ? La première prouesse, c'est en fait d'intéresser 3000 personnes pendant une convention et ensuite pendant les instants festifs. Donc, c'est tout un parcours que l'on a mis en place tout au long de l'événement, pour rythmer, dynamiser sur un thème qui était donné et qui rejoint bien sûr le projet d'entreprise de la Caisse Centre-Est du Crédit Agricole. Et donc comment tu as mesuré le ROI de cet événement ? Le ROI, il est bien sûr par rapport à nos clients, avec le questionnaire de satisfaction qui est bien sûr distribué à la fin de l'événement, avec des retours extrêmement positifs sur l'ensemble de l'événement qui s'est déroulé, avec une réception particulière puisque l'enjeu était de présenter le nouveau projet d'entreprise. Et c'est vraiment un enjeu que l'on a su relever. Alors, Arnaud Doucher a beaucoup aimé. Pour quelle raison ? C'est la presse technique qui t'a séduit ou... Non, c'est on parle beaucoup d'émotion depuis le début de la soirée, parce que l'événementiel, c'est l'émotion. Intéresser 3000 personnes au contenu qui va parler d'une banque, c'est jamais facile. Et là, on avait une offre qui était très riche, avec des spectacles, de la danse, des artistes de renom qui sont venus, une scénographie qui était ambitieuse, et puis une présentation qui nous a beaucoup touchés aussi. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'émotions dans le projet et dans la présentation de l'équipe. Eh bien, bravo à cette médaille d'or pour Sphère des possibles. Médaille d'argent, Sagarmatha. Une convention interne pour les 1500 leaders de Sanofi qui sont venus du monde entier. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce jingle, Simply the Best, parce que c'était un peu le leitmotiv, c'est ça ? C'était le leitmotiv, c'était un univers. Merci. L'univers en fait des JO, puisque Sanofi est partenaire premium. Alors vous avez corrigé de vous-même, hein, c'est 1500 leaders, pas 1500 communicants. Ça fait beaucoup, sinon. Donc 1500 leaders pour la première fois réunis. Donc ça, c'était quelque chose d'assez unique. Hein, l'ensemble des sites de Sanofi en France. Donc une vraie particularité. Et puis c'est un projet, en fait, c'est tout ce qu'on aime chez Sagarmatha. C'est d'une part, on n'était pas en compétition. Donc ça, c'est déjà pas mal. Comment t'as fait ? Mais ça, c'est en fait un partenariat depuis plus de 10 ans. C'est surtout en fait c'est une exception dans tous les cas, hein, dans notre métier. En revanche, ça nous a donné beaucoup de pression, Donc c'est pour ça qu'on a travaillé en fait en intelligence collective. Alors c'est vrai qu'on a entendu l'intelligence humaine, l'intelligence digitale, mais l'intelligence collective, c'est vraiment quelque chose qui est juste essentiel et qui nous a permis de construire à la fois avec le comité de pilotage bien en amont, c'était 2 mois avant l'événement. Et puis de procéder comme ça jusqu'à la phase, jusqu'à la réalisation, c'est-à-dire en juin dernier. Voilà. Eh bien, bravo à toi, Sagarmatha.
Merci. Romain Biolchini et Sarah Paranto, un petit mot. Qu'est-ce qui vous a plu? Donc peut-être Sarah Paranto, Inpart. Donc c'est, on est Sanofi, c'est pas très loin. Oui, c'est pas très loin. Et puis je crois que le travail d'une agence, c'est de réussir à organiser ce genre d'événement. Mais là, vous avez réussi à organiser un événement autour du sport et autour de l'univers pharmaceutique. Deux événements qui me sont chers. Et vraiment, bravo pour ça. 1500 personnes, c'est assez impressionnant. Bravo. Eh bien, bravo à Sagarmatha. Je crois que le délai était très court parce que c'était aussi ça que nous avons noté dans le cadre de l'organisation. Ouais. Ouais. WMH Project. Donc, eux, ils ont monté quelque chose dans un salon. Donc, vous avez monté un wagon. Vous, expliquez-nous ce que vous avez fait. Alors, merci. Allez-y. Donc en fait, on a répondu... Regardez devant vous, vous avez un écran devant vous. On a répondu à Akkodis pour la mise en place de leur chalet. Akkodis, c'est quoi? Ils font quoi dans la vie? Akkodis, c'est... Parlez près du micro. Merci. Akkodis, c'est la fusion de Modis, du groupe Ziadeco Group, et de AK Technologies. Du coup, c'est une nouvelle marque qui avait besoin de notoriété et besoin d'asseoir en fait son savoir-faire en techno et en recrutement d'ingénieurs et sur des projets à forte valeur ajoutée dans le domaine de la mobilité. Donc on a travaillé très fort avec eux, à la fois l'hospitalité, parce que c'est ce qui est attendu sur le salon du Bourget, mais aussi la démonstration probante en fait de leur savoir-faire technologique par un parcours utilisateur dédié et aussi l'accompagnement en termes d'hospitalité, grâce à une application digitale dédiée. Donc, on a eu des retours extrêmement positifs. Alors, Laurent Fiard, c'est ça qu'il a aimé. C'est quoi? C'est le ROI de cette opération, c'est ça? Alors, bon, déjà, c'est la rencontre entre l'humain et le digital. C'est une solution immersive et notamment cette capacité de remettre au cœur l'innovation et cette dynamique future, hein, et l'avion de demain, et surtout une prouesse technologique et physique. Donc c'est la rencontre du physique et du digital, hein, donc cette plateforme digitale qui permet d'améliorer l'expérience client. Eh bien bravo, c'était WMH Project. Alors justement, la question qu'on peut se poser, c'est comment émerger quand on est au sein d'un énorme salon professionnel. Eh bien, c'est ce qu'a réussi le coup de cœur avec la semaine des 4 jeudis. Vous l'avez fait pour un stand, je crois, c'est Toshiba, c'est ça? Oui, ah. Tout à fait. Alors expliquez-nous, comment on émerge justement sur un salon avec son stand? Alors cet événement, ce n'est pas le plus gros que nous ait confié Toshiba, mais effectivement, on a essayé de travailler en équipe avec le client, qui est ici, Julien, et ouais. Notre standiste, Pascal. Il est où, le Julien? Mettez-le, il est là. Il est là. Mettez-le dans la il lumière, moi j'aime bien quand il y a des clients, là, voilà, très bien. Mets-toi au milieu de la salle, voilà. Il est très grand. Oui. Et en fait, c'est ce qui fait la qualité de notre collaboration, c'est qu'on ne travaille pas en mode agence-annonceur, on est vraiment en mode équipe, et on a essayé de travailler l'expérience jusqu'au bout. Que ce soit dans la création d'un studio d'enregistrement de podcast sur l'événement, que ce soit dans le développement d'une application digitale pour présenter en fait les solutions et créer du jeu et de l'expérience sur stand et des animations sur l'ensemble du stand. Charline, c'est un événement qui a beaucoup fait parler sur Interclimat. Charline, c'est ça qui t'a plu ? Oui, c'était un coup de cœur parce que vraiment l'originalité du stand et puis les astuces pour que les personnes qui étaient présentes sur le salon puissent directement venir avec l'idée des casquettes. Enfin voilà, il y avait des goodies qui étaient mises à disposition avec de l'intérêt forcément. Mais voilà, on a trouvé qu'il y avait un axe aussi de communication au sein du stand qui était intéressant. Voilà. Voilà, donc c'est le palmarès de la 4e catégorie des agences. J'aimerais qu'on les applaudisse. Et vous pouvez rejoindre votre siège. Alors Marc, je profite quand même de la tribune pour dire quelques mots, spécialement sur notre filière, parce qu'il y a 2 ans, notre filière était à genoux, mais elle n'était pas à terre. Certes, nous étions exsangues, mais nous avons su nous relever, à la fois en développant le digital, mais aussi dès le retour de la possibilité de l'événement, nous avons su nous relever, nous renouveler. Et je voudrais simplement préciser que l'événement, et je crois que personne ici ne me contredira, c'est venir, se rencontrer, se dire bonjour, se saluer, discuter, partager et s'émouvoir.
Nous sommes très heureux d'avoir cette nuit de l'événementiel dans la région. Vous avez fait 500 km au sud pour organiser cet événement au niveau de la région, qui donne une très belle image de notre filière. Merci. Merci. Voilà, donc vous pouvez rejoindre votre place. Et on va entamer la dernière catégorie. Donc, comme vous le savez, on va remettre le grand prix du public après cette dernière catégorie. Là, on va s'intéresser aux entreprises et aux organisateurs qui produisent des événements. Et c'est la cinquième catégorie. Pour révéler les lauréats de cette catégorie, on va accueillir Romain Boucomètre, Stéphane Moreau-Cyr, Fabien Félly, Christophe Cabrol et Fabien Duranel. On les applaudit. Bravo. Alors, mon cher Pierre-Nicolas. Oui. On va regarder tout de suite les candidats. C'est la dernière catégorie. Après, on va aller pouvoir boire un coup au buffet. Donc, on a 7 projets. Et vous allez voir 7 projets très différents les uns des autres. Absolument. On va commencer le premier avec CGI. Qu'ont-ils fait de beau? Alors, CGI, ils ont transformé un événement corpo en une émission, en fait, de télé régulière. Donc là, ils ont créé une émission télé pour réunir leurs équipes. Pour faire parler de la communication interne. On peut les applaudir, c'est CGI. Deuxième candidat, c'est Larosée. Larosée. Bien entendu, les membres du jury de Larosée et de CGI n'ont pas du tout participé à cette salle de notation. Il faut bien le dire. Et non, Marc, puisque comme tout le monde sait... Les dés ne sont pas pipés, non. Le jury est divisé en 2 salles, voilà. Évidemment. Donc on n'est pas jugé parti pour ce prix. Et donc Larosée sont venus nous présenter justement le roadshow de Larosée qui était dans toute la France à la rencontre des pharmaciens. D'accord, on peut les applaudir. À la rencontre des pharmaciens. Ensuite, un organisateur un peu fou, c'est Plingas. Ouais, c'est l'organisation du mondial de la praline. Et voilà, c'était, contre toute attente, très fou en fait. Le mondial de la praline. Ouais. Ouais, c'est beau, hein, on peut l'applaudir. C'est bon aussi. Ensuite, on a Pôle emploi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors là, ils nous ont étonnés aussi avec un projet qui... On est très surpris de les avoir là, mais ils ont fait un... Ouais, mais un projet étonnant pour justement reprendre la place de l'emploi et la formation et la remettre au centre et réussir à la rendre presque captivante. Et au-delà de l'utilité que ça a, c'était très intéressant. Eh bien, on peut applaudir Pôle emploi. Ensuite, nous avons Prétexte Infographie. Alors eux, c'est un événement interne sur lequel ils ont travaillé ils ont planté des arbres en fait. Ils ont planté des arbres. Ouais. C'est vous là. Imagine, on fait un événement ce soir, Marc, on plante tous un arbre là. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer demain? Bah, on va les applaudir. Prétexte. Ensuite, Radio Scoop. Alors ils sont venus le présenter le match de l'année. Tony Parker qui devait être là mais qui n'a pas pu venir et Matt Pokora qui devait aussi être là mais qui n'a pas pu venir. Donc les deux, ils ont. Non, c'est des conneries parce qu'on les a pas invités, mais bon. Non, mais on aurait bien aimé qu'ils soient là. Donc on peut les applaudir, c'est Radio Scoop. Alors on reste dans la bouffe avec le dernier candidat, c'est le salon des chocolatiers. C'est le salon du chocolat. C'est mieux qu'un salon, c'est parce que c'est le rallye des chocolats. Voilà, Benjamin, qu'on applaudisse très fort tous ces candidats. Et alors justement, on va rester avec le chocolat, avec Romain Boucomètre. C'est le directeur général de Chocolat Voisin, c'est ça? Bonjour à tous, bonjour Marc, oui c'est ça. Salut Romain. Alors, une PME qui existe depuis 120 ans. Oui, c'est notre arrière-grand-père qui l'a créée, on représente aujourd'hui la 4e génération. Et ben, on est là pour faire plaisir aux Lyonnais, pour leur proposer l'amour du chocolat, comme on dit chez nous. Alors ce que j'ai appris aussi, c'est que vous avez été reconnu comme l'une des plus grandes chocolateries artisanales de France. Oui, alors on a la chance d'accueillir chez nous une brigade de maîtres chocolatiers. Donc ce qui fait notre spécificité, c'est de réunir dans ce temple de la gourmandise un grand nombre de chocolatiers avec des compétences qui nous intéressent, c'est faire tous nos produits de A à Z à partir des meilleurs chocolats, des meilleurs terroirs. Et on veut avoir ce collectif au sein de la maison. Et vous avez même le projet de faire un lieu de séminaire autour du chocolat chez oui, vous.
On vient de construire un nouveau bâtiment dans lequel on aura un lieu de séminaire. Et on aimerait en faire un lieu qui soit magique, où on puisse accueillir des CODIR, des COMEX ou des agences événementielles. J'en profite pour vous passer le message. Très bien. À l'intérieur duquel on fera une animation autour du chocolat. On peut applaudir Romain Boucaud, maître. Alors ensuite, nous avons Stéphane Morossir, directeur général, c'est ça, de l'ASVEL. Donc, on en a parlé tout à l'heure de l'ASVEL. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est ton parcours. Tu as commencé dans le tennis avec Gilles Moreton. Tu as bossé ensuite pour Canal+, Event. Comment tu vois le marketing du basket dans les années et mois qui viennent ? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que le marketing du basket a un bel avenir. Parce qu'il y a une étoile qui brille, c'est la NBA. Et nous jouons le deuxième championnat au monde de basket qui s'appelle l'Euroleague et qui est une compagnie privée. Et puis il y a un jeune là qui est parti à la NBA. Absolument. Non. Qui mesure 2 mètres. Un peu plus. D'accord. Et donc chaque année, on a des jeunes français qui partent en NBA. Donc je crois que c'est révélateur. Le marché européen forme des vrais basketteurs. Et puis ensuite, le basket, c'est avant tout l'entertainment. On parle d'événementiel ce soir. Et c'est un sport qui a la chance, de par sa structure, eh bien, d'avoir des temps de jeu, des temps morts, où on peut faire des shows à l'américaine. Et ce qu'on fait actuellement, notamment à la nouvelle LDC Arena, où nous avons joué déjà 2 matchs à plus de 11 000 et un près de 10 000. Eh bien, on peut applaudir Stéphane Morossir, directeur général. Alors, ce soir, on a invité une entreprise encore grenobloise. Leader mondial du transport par câble. Alors, tu sais ce que c'est le transport par câble, Pierre-Nicolas ? Moi, je sais, oui. Absolument, oui. Ouais. Et j'aimais bien. Oui, moi aussi, je sais. Ouais, donc ça ne sert à rien que je vous pose la question. En fait, c'est les télésièges, les téléskis, les télécabines qui permettent d'aller d'un point A à un point B. Non, Fabien. C'est donc, bien, vous pitchez pour moi, c'est parfait. Donc, Fabien, c'est un truc incroyable. C'est aujourd'hui, vous êtes devenu leader mondial. Vous faites la grande roue de Dubaï. Vous faites plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous travaillez avec la Compagnie des Alpes sur toutes les remontées de ski. Vous avez même des projets de, comment dirais-je, de bulles, comme ça. Je vais vous aider, je crois, Marc. Oui, vas-y. Je vais vous aider. Déjà, c'est 500 millions de chiffre d'affaires. Et donc, tout faux. On va corriger tout de suite. Deuxièmement, on a quasiment 90 ans maintenant. Poma, vous nous connaissez peut-être parce qu'on a pu vous transporter dans les stations de ski depuis de nombreuses années, en France ou à l'international. Et aujourd'hui, on est très fiers. On a une colonne vertébrale très forte, c'est qu'on produit en région. On produit quasiment tout dans nos régions et dans nos usines en Rhône-Alpes. Et Poma, c'est aussi c'est 1500 collaborateurs passionnés. On fait des appareils pour le monde de la neige, du touristique, des projets un peu en iconiques comme la roue de Londres ou la roue de Dubaï, et aussi beaucoup d'urbain. C'est quasiment 40% de notre chiffre d'affaires, l'urbain. Alors, et la communication événementielle dans tout ça ? On est tous les jours tournés vers nos clients. On est dans des événements quasiment toute l'année. D'ailleurs, je lance un appel. C'est qu'on a un appel d'offres, tu lances là ? Un appel. Ah. Un appel. J'avais compris, un appel d'offres. Non, pas encore. Le 25, on fait un événement et on a encore quelques pistes. On doit chercher un partenaire. Donc, Mickaël Fauché, directeur marketing, est là. Adressez-vous à lui ce soir. Allez-y. Donc, oui, l'événementiel, on en fait tout le temps, toute l'année, sur les pistes ou de l'autre côté de la planète, dans tous nos événements. On peut applaudir Fabien Féli, président de Poma. Christophe Cabrol de Biomérieux, 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 13 000 personnes, 15 sites de production. C'est un chef d'orchestre. Ta vision de l'événement, c'est quoi ? Ma vision de l'événement, c'est qu'aujourd'hui, dans le type d'entreprise comme Biomérieux, on a une approche qui est plurielle. On fait de l'interne, on fait de l'externe. On est sur la partie externe réglementée, comme ça a déjà été dit tout à l'heure. Donc ça nous contraint, mais ça nous permet aussi d'être beaucoup plus créatif. Et c'est ça qui est intéressant. Et ma vision de l'événementiel, c'est de se dire que c'est un peu l'image de ce qu'on a ce soir. Sans tout l'écosystème autour de l'événementiel, en fait, nous, annonceurs, on est peu de choses. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est la créativité de tout ce dispositif. Qu'est-ce qui t'a le plus plu ce soir ? Le plus ce soir, de voir qu'il y avait beaucoup de talents. Je le savais déjà, mais de participer à cette soirée le prouve vraiment. Il y a des talents à tous les niveaux. On a vu des choses qui étaient vraiment nouvelles et innovantes. Et ça fait vraiment plaisir, parce que ça permet de se nourrir et de se renouveler dans nos métiers que l'on connaît très bien. On peut applaudir Christophe Cabrol de Biomérieux. Alors, Fabien Duranel,
On peut l'applaudir. Donc, Pascal Bazillet, tu le connais bien, c'est le vice-président de MH. Elle le connaît bien, elle le connaît bien, Pascal. Pascal, tu connais bien Fabien ? Oui, je le connais parfaitement. Donc, Fabien. Je connais son entreprise. Bonsoir, Marc. Exactement. Donc, agence d'événements. Oui. J'ai appris que tu avais dirigé et créé le Mondial Event. Historiquement, depuis 2007. Oui. On avait Pourquoi tu n'as pas gardé ce nom ? C'est génial, Mondial Event, comme nom d'agence. Oui, pourquoi tu t'appelles République ? Non, mais je dis ça comme je dirais aujourd'hui, l'évolution d'une société, c'est aussi de savoir écouter ses clients et c'est de pouvoir évoluer avec son temps. Et l'histoire de WMH est magnifique, extraordinaire. Alors, c'est un collectif d'entrepreneurs. Au pied du Covid, en fait, on s'est regroupé avec deux entreprises parisiennes pour donner naissance à un projet sans fin qui aujourd'hui donne sens avec 350 collaborateurs sur Paris, Lyon, Bordeaux, Bruxelles. Et avec une année 2023 qui est très forte en projet, notamment avec la création de l'entreprise à mission, création d'un incubateur et d'une fondation qui donne la possibilité aux salariés de pouvoir exprimer une à deux journées par an une aide par rapport à leur savoir-faire. Donc quatre métiers principaux, tu viens d'en parler, event, incentive, RP. Et special design pour lequel on a eu la chance d'être récompensé. Alors c'est quoi le special design ? Est-ce que pour toi c'est un vecteur d'avenir, c'est quelque chose qui va se développer ? Ah bah c'est complètement dans l'avenir, puisqu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir les salons qui ont redémarré. Et on aborde le special design, non pas comme nos amis les standistes, mais en partenariat avec eux, c'est-à-dire en réflexion en amont, avec toute la partie marketing data digital, sur lequel on étudie le pourquoi du comment, comment on vous fait venir, pourquoi on vous fait venir, le parcours client, et derrière, on fait l'analyse data. Donc, les agences se portent bien, la filière se porte bien ? Bah, je pense que vous avez un bel exemple aujourd'hui et ce soir du monde de l'événementiel. Et au-delà des agences, parce que ce serait un peu égocentrique de ne penser qu'à nous, mais on ne serait rien sans nos clients, sans nos partenaires et sans surtout les collaborateurs qui constituent toutes ces agences. On peut applaudir Fabien Duranel. Alors, on va révéler les lauréats. Attention, on vous a remis un petit carton. Il y a une médaille de bronze, il y a une médaille d'argent, une médaille d'or et un coup de cœur. Il y a même deux médailles d'argent ex aequo. Putain, vous avez été. La médaille de bronze est attribuée à. Prétexte Infographie. Les médailles d'argent. La médaille d'argent ex aequo est attribuée à CGI et Pôle emploi. Pôle emploi et CGI. La médaille d'or. Et la médaille d'or est attribuée à. Mondial de la praline, agence plein gaz. Plein gaz. Et le coup de cœur. Il y a un coup de cœur, il y a un coup de cœur, il y a un coup de cœur. Il y a un coup de cœur. C'est qui ? Le prix du coup de cœur est attribué à La Rosée Cosmétique. Ah. Voilà, tout le monde sur scène. Il manque qui ? Il manque qui ? Il manque des gens sur scène. Bravo. Bravo. Alors, on va commencer avec plein gaz. Avec moi, plein gaz. Salut. Plein gaz. Le grand concours culinaire autour de la praline. Ah, il se déplace. Il dit énormément. Voilà, il dit. Où est-il ? Voilà, il serre des mains là. Ouais, il serre des mains. Il est extrêmement populaire. C'est aussi l'homme par qui tout se passe au niveau de la praline. Plein gaz. Bonjour. Bonsoir à toutes et à vous tous. Est-ce que tu es ému ? Oui, beaucoup ému. Parce que je vais reprendre les mots de Bernard tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a deux ans et demi, en janvier 2022, j'étais au bord du gouffre dans l'événementiel par rapport au Covid. Et j'avais un devoir, soit j'arrêtais mon métier d'événementiel, soit il fallait que je retrouve la vie en rose. Là-dessus, j'ai décidé donc de retrouver la vie en rose. J'ai mon ami Alain Verdelet de l'agence Melbourne qui vient me voir, qui me parle. J'ai de la chance dans mon métier de travailler sur la fête des écaillés, dans les fondus, etc. Et il me parle de la praline. Et l'histoire est toute simple. Bon, mon métier, c'est de raconter des histoires pour mes clients et pour moi-même et pour mes amis depuis une trentaine d'années. J'ai commencé pâtissier quand j'avais 16 ans. Là-dessus, le CFA de la gastronomie, je vois Émilie, toute la team qui est ici parmi vous, ouvre en octobre 2022. Je me suis dit là-dessus, ben, pourquoi pas, praline rose, octobre rose. Donc voilà, donc on va défendre la praline rose qui est née dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Et là-dessus, je me suis dit, après j'ai vu les personnes de la région, je me suis dit, tous les pâtissiers, boulangers, cuisiniers du monde entier qui sont nés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes connaissent la Praline Rose. Donc je ne sais pas. Soit l'histoire va se terminer dans quelques années, soit ça se trouve dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va se retrouver à Tokyo, à New York, au Japon, au Brésil, voilà. J'aimerais qu'on applaudisse, voilà. Plein gaz. Romain Boucaud et Stéphane Moreau ont adoré. Romain Boucaud, pourquoi ? Pour ma part, j'ai adoré. Tous les matins, on se lève pour honorer les savoir-faire de la chocolaterie française. C'est ce qui nous motive, être le meilleur ambassadeur des spécialités de Lyon. Et pour ça, ce salon, c'était le meilleur outil de com de tous les artisans lyonnais, où tu défends à la fois nos savoir-faire et à la fois les spécialités de la lyonnaise, et t'en fais un outil grand public. Et ça, c'est une communication auprès du grand public, et nous, on sait le faire au niveau du monde professionnel. Donc merci au nom de tous les artisans, et c'est ce qui nous a donné envie de te féliciter. Stéphane Moreau. Pierre-Yves Gas, tu veux dire Pierre-Yves Gas. J'ai bien quelques dossiers sur lui, mais ce n'est pas le but de la soirée. Et plus sérieusement, j'ai vraiment un coup de cœur, parce que d'abord l'idée, il fallait l'avoir, et lui il l'a eu. Et après, il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais qui ne les mettent jamais en œuvre. Et je crois que je salue ce soir le courage aussi de l'entrepreneur que tu es. Donc bravo à toi. Allez, médaille d'argent, bravo. Je voulais juste en profiter. Il y a plusieurs personnes qui sont là et qui ont travaillé avec moi et qui sont soit des indépendances, soit des petites agences ou des grosses agences. Donc je remercie donc bien sûr le CFA. Il y a également Solène, il y a Aura Signalétique, il y a les gens de chez Eurosono. Donc moi j'ai une partie où également d'être chef d'orchestre pour faire travailler tous les petits, moyens ou grosses structures qui sont lyonnais. Et donc moi je suis fier d'être lyonnais, mais je suis fier également d'être de la région Rhône-Alpes. Et j'ai vu tout à l'heure beaucoup de sociétés qui sont en vert, comme Feu Vert, ou qui sont en jaune, etc., ou comme Orange. Donc si vous voulez me suivre pour le prochain Mondial Pasine et passer en rose, c'est avec plaisir. Ben voilà, ça sera entendu. CGI. Alors CGI, c'est une émission télé en multiplex avec vos collaborateurs, rythmée. En plus, ça a été animé et rythmé par des collaborateurs en interne. Exactement, bonjour à tous, et ça s'est passé ici même le 19 octobre, donc je suis un peu ravie et émue en même temps d'être sur scène. En effet, c'était 1800 collaborateurs, on a coaché 20 speakers parce qu'on voulait que le discours soit impactant pour nos collaborateurs. Donc c'est eux qui sont à l'origine de ce projet, c'est un projet qui a été co-construit avec une grande équipe, donc très très fière, et c'est une belle récompense pour nous tous. Donc merci à la team là-bas et la team com et la direction qui nous a soutenus. Merci beaucoup. Eh bien bravo pour ce projet. Fabien Féli de Poma, qu'est-ce que tu as aimé Fabien ? C'est quoi ? C'est l'émission télé ? C'est le fait d'avoir fait participer les équipes ? L'énergie. Regardez, il n'y a que de l'énergie dans cet événement. 1800 collaborateurs en multiplex avec plusieurs sites. Déjà, c'était 100% aura, il me semble, comme exactement. Nous. On fabrique 100% en aura. Donc, en tout cas, un événement bravo avec une très belle maison comme CGI et félicitations. Merci beaucoup. Deuxième médaille d'argent, c'est Pôle emploi. Pôle emploi, où est-elle ? Bonjour, madame. Donc, Pôle emploi, on ne vous attendait pas là. Et vous avez fait un truc avec beaucoup de courage, un village itinérant hors les murs, notamment pour toucher les personnes très éloignées de l'emploi. Tout à fait. En fait, il faut savoir qu'on organise, tout le monde connaît Pôle emploi, mais on organise à peu près 1500 événements sur la région. Tout à l'heure, j'entendais des entreprises qui parlaient de difficultés de recrutement. Les candidats ne connaissent pas toujours leur métier, ne connaissent pas toujours les entreprises, n'ont pas les bonnes compétences pour venir bosser dans les boîtes. Et donc l'idée de cet événement, ça a été de se dire, on a des publics qui ont un peu baissé les bras, qui n'osent pas postuler, qui ne connaissent pas les codes des entreprises, les filières, etc. On ne savait pas trop qui ils étaient, parce que c'est des gens parfois qui ne poussent plus les portes des services publics, qui ne postulent plus dans les entreprises. Et donc l'idée, on savait où ils étaient, dans les zones sensibles, les quartiers, mais aussi à la campagne, dans les zones rurales. Donc on s'est dit, banco, il y a des entreprises qui sont ouvertes à des recrutements, à aller chercher d'autres compétences, des savoir-être. On a des partenaires, des associations sur le terrain qui connaissent bien ces publics-là. Donc on va se mettre tous ensemble. Il y a eu plus de 600 partenaires sur ces opérations. Il y a eu à peu près 80 dates dans toute la région.
Et je crois que toutes les entreprises qui ont participé, et surtout, d'ailleurs je les salue, les candidats, les personnes en recherche d'emploi ou plus, qui sont venues, sont parties vraiment reboostées, enchantées. Et ceux qui n'ont pas trouvé des solutions emploi, en tout cas, ont trouvé des solutions formation, des idées de métier pour pouvoir se réengager. On sent que c'est la passion qui vous anime. Ouais. Et Christophe Cabrol a beaucoup aimé. Alors, oui, comme tu le disais, Marc, clairement, on ne vous attendait pas. Félicitations déjà d'avoir eu le courage de postuler et d'avoir eu, du coup, cette démarche éducative auprès de nous, de nous ramener finalement vers les fondamentaux que sont notre métier. Je voudrais juste pour rappeler un petit peu à tout le monde le fondement de leur projet. On parle ici d'une population de gens, on parle nous dans nos entreprises d'engagement, de nos collaborateurs ou de nos clients. Là, ils sont allés chercher des gens qui ne sont pas connectés, qui sont loin du digital. Ils sont allés les chercher en faisant du porte-à-porte, du tractage. Donc vraiment un ROI, comme tu disais, Marc, mais là, il a été gagné grâce à l'énergie de votre dynamique de terrain. C'est absolument colossal le travail que vous avez fait. Et je prends aussi ma casquette d'élu pour vous dire vraiment félicitations, parce que faire ce travail-là, peu de gens le font, et Dieu sait que c'est nécessaire pour l'insertion et le retour à l'emploi de gens qui en sont très, très loin. Merci pour ça. Eh bien, on peut applaudir Pôle emploi. Alors, médaille de bronze. Alors, c'est un projet un peu fou qui a été monté par une entrepreneuse lyonnaise. C'est Prétexte Infographie, création d'un espace de biodiversité dans une friche, c'est ça ? Prenez la parole, madame. Oui, c'est un peu ça. Alors, Prétexte Infographie, ça a plus de 30 ans d'existence. Alors, j'ai rien inventé. Merci beaucoup. Je suis juste la quatrième génération. Et aujourd'hui, nous, dans notre atelier, on fabrique tous les jours vos supports de communication. C'est les vôtres qu'on fabrique. C'est pour ces événements-là qu'on travaille au quotidien. Et on a souhaité mettre en face de notre fabrication un équilibre environnemental. Et pour ça, on a monté une forêt. Quand on va planter une forêt, et je crois que j'ai trouvé quelques bras là pour venir nous accompagner, ouais, parce que ce n'est pas 2-3 arbres, mais c'est 300 sujets qu'on va planter. 300, plus de 300 arbres qu'on va planter ensemble, ensemble dès la semaine prochaine. On a, ouais, enfin, en tout cas, on s'y met. Alors, vas-y. Fabien Duranel, oui. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que finalement, des friches, il n'y en a pas. Non, ce n'est pas ça qui est intéressant, Marc. C'est quoi ? Non, on a affaire à un... C'est quoi ? C'est son énergie ? Non, même pas. C'est quoi alors ? En fait, l'histoire est encore plus drôle, c'est-à-dire qu'on m'a présenté, on a été présenté à la pause, où derrière Anne-Sophie me l'a présenté éventuellement comme une future partenaire, et je pense que ça sera aujourd'hui avec d'autant plus de valeur et de structure. Et quand je t'ai vu débarquer effectivement dans cette salle et arriver à nous dire, bah en fait, je sais pas trop pourquoi je suis là, mais en fait, je vais vous parler d'une forêt. On a eu du mal en fait à raccrocher les morceaux. Et en fait, je pense qu'à l'unanimité, on a tous été embarqués en fait, par ton projet sans savoir où réellement il allait nous emmener. Et très franchement, si tu as besoin de bras, je pense que chez WMH, qui est entreprise à mission, et avec une fondation, on se fera un plaisir de venir t'aider. Je vous remercie, sincèrement. Voilà. Merci à tous. On peut dire Prétexte. Merci. Infographie. Et enfin, le coup de cœur, c'est pour l'arrosée, et surtout les équipes de l'arrosée. Regardez ces images. Elles ont monté les événements, elles ont fait la fête avec des pharmaciens, c'est ça. Regardez les images devant vous, vous avez un écran. Alors expliquez-nous comment, madame, elle est occupée, oui, pour l'instant. Alors expliquez-nous donc l'idée de l'événement, il y a une énergie là-dedans incroyable. Alors l'idée de l'événement, c'est que, donc, comme le disait Romain tout à l'heure, La Rosée, c'est une marque qui a été créée par deux pharmaciennes pour la pharmacie, qui est distribuée dans 9000 pharmacies en France. Et après 2 ans de pandémie, Covid, où les pharmaciens étaient vraiment au contact direct de la population, donc dans un climat très stressant, on avait envie d'aller à leur rencontre, enfin, pour les remercier à la fois d'avoir fait ce travail au quotidien auprès de la population, les remercier, les former aussi sur nos nouveautés, et puis partager un moment de convivialité avec eux. Donc on a fait une première soirée à Lyon, donc notre ville d'origine, là où il y a le siège social de La Rosée, et puis on a poursuivi après dans d'autres villes en France, pour rencontrer jusqu'à 1000 pharmaciens, et on continue l'année prochaine, en 2024, sur la même lancée. Eh bien, bravo à La Rosée. Vous pouvez rejoindre vos places. Et donc, cette soirée va s'achever dans quelques instants avec le Grand Prix du public. Donc, Pierre-Nicolas et Pascal, donc, oui, on a fait voter. Carrément, oui, tous les participants sur, oui, Internet. Sur Internet, les gens ont voté pendant
3 semaines environ, 15 jours, et on a un vote aujourd'hui, on a un résultat. Alors, ça va nous permettre aussi de conclure cette soirée. Donc, sur scène, le président d'ADECO, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, Philippe Martinez. On va aussi, parité oblige, accueillir Valérie Lorenz-Poinceau de Boiron. Ah, Valérie, oui. Le régional de l'époque de l'étape, Yann Roubert de Lou Rugby. Notre ami Yves Rioton et puis Laurent Cormier, allez, Auvergne-Rhône-Alpes. On les applaudit. Alors, on va commencer avec Philippe Martinez, président de ADECO. Où est-il ? Il est là, au milieu. Salut Philippe. Bonsoir. Alors, ADECO, un des poids lourds de l'intérim. On a entendu ton directeur marketing tout à l'heure, là tu es président. Qu'est-ce que t'as inspiré cette soirée finalement ? Est-ce que demain, ADECO va investir un peu plus dans des réunions, dans des événements qui vont réunir les équipes, qui vont faire passer des messages ? Est-ce qu'on a réussi à faire bouger un peu les lignes ? Bah alors nous, on est une boîte de RH avec un très très fort ADN familial. On a quand même un millier de directeurs d'agence qui ont été très frustrés par le Covid et par l'après-Covid, où on est resté en mode Covid en termes de dépenses. Et donc, on fait un gros kick-off en janvier prochain. Où ça ? J'ai 1700 managers parmi mes 6000 collaborateurs. Donc, c'est un petit challenge. On a même... On a même discuté avec JL, voilà, si on pouvait trouver quelque chose à Lyon. Et donc, nous faisons ça à Euro Disney. Qu'est-ce que tu attends de cet événement, finalement ? Ben, je pense que c'est super important dans une entreprise de réseau où, où les gens vont finalement se retrouver, passer du temps ensemble. Parce que parler des valeurs d'entreprise ou de stratégie d'entreprise en digital, c'est très difficile. En physique, c'est réellement... En tout cas, chez nous, quelque chose d'extrêmement attendu. Alors, ça coûte un peu d'argent, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Et on ne peut pas mesurer le retour sur investissement. Néanmoins, si, il y a quand même... Alors, il y a un, la retention, quand même. Ça se mesure bien. L'engagement et la retention, c'est vraiment les vecteurs. Et l'attraction aussi, puisque aujourd'hui, on est tous, et moi le premier, confrontés au fait que les gens qui nous rejoignent finalement nous choisissent et malheureusement ce n'est plus nous qui les choisissons. Donc l'attractivité d'une entreprise c'est vraiment clé et bien sûr les salaires s'en fait partie mais les conditions de travail et aujourd'hui bien évidemment ce qui s'y passe à l'intérieur, le temps partagé, le working from home, voilà, c'est des sujets sur lesquels on est en tant que première entreprise privée en France obligé d'être leader d'opinion, idéalement un peu militant. On peut applaudir Philippe Martinez, président d'ADECO. Alors, pour conclure rapidement, je vais vous demander un mot sur cette soirée. Donc, Valérie, si on avait un mot, une phrase pour caractériser ce que tu as vécu avec nous ce soir, qu'est-ce qui t'a intéressé ? Je trouve que c'est assez impressionnant de voir toutes les richesses qu'il y a dans les entreprises, dans les initiatives de la région. Donc, moi, c'est le mot qui me vient, c'est la fierté. Très bien, on peut l'applaudir. Yann Roubert. Moi, c'est l'avenir, s'il y a avec un mot, parce que je pense que l'événementiel a de l'avenir. Donc, un grand merci à vous d'avoir organisé ça. Un gros bravo aux équipes. Et puis, place à la troisième mi-temps. Ensuite. Laurent Cormier, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Le plaisir du hasard des rencontres, ça fait du bien. Et puis en même temps, un secteur qui pèse beaucoup. C'est la raison pour laquelle, quand vous m'en avez parlé, ça coïncidait, nous, avec le fait qu'on remettait le pied à l'étrier du tourisme d'affaires qui pèse lourd dans notre région. Donc merci de votre invitation. Et puis plein de bons événements encore, parce que c'est ce qui nous fait avancer tous. Et puis je pense que ça représente à peu près un tiers des 225 000 emploi dans le tourisme régional, donc c'est énorme. Alors Yves Rioton, et puis on va révéler le grand prix du public. Yves, un dernier mot. Fier également d'avoir collaboré à cette soirée, parce que la filière événementielle mérite d'être connue en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est vrai que nous, dans notre équipe,
nous le vivons au quotidien, puisque nous sommes chargés d'organiser des rencontres entre l'offre et la demande. Et on est fiers de notre travail, je suis fier de mon équipe, et on est content d'avoir tous ces clients qui nous font confiance. Bien voilà, ça sera le mot de la fin. On va remettre le grand prix du public. Suspense. Alors, le prix du public est attribué ce soir à Traiteur Grand. Traiteur Grand, sur scène. Alors, deux mots, on va. Pierre-Nicolas, Traiteur Grand, s'ils sont là. Il est là. Il est où ? Il est alors, là, pourquoi ce Grand Prix du public ? Tu peux nous rappeler ce qu'ils ont fait, Traiteur Grand ? À Traiteur Grand, c'était une approche justement sur plutôt le sourcing des talents et comment faire travailler aujourd'hui les gens et les dans le métier de traiteur. Mais tu vas en parler. Donc, sourcing des talents, c'est-à-dire, c'est un grand sujet aujourd'hui. C'est quoi le sourcing ? Le sourcing, oui, c'est bonsoir à tous, merci, je suis très ému. C'est sûrement mes collaborateurs qui ont voté en masse pour nous, on est ravis. Beaucoup de collaborateurs, alors. Beaucoup, mais surtout qui adhèrent au projet d'entreprise, et c'est ça qui nous fait avancer. Alors, sourcing, que vous dites, c'est complètement une refonte de l'approche avec le collaborateur, c'est qu'on a une méthode qui est proche de celle qu'on a avec le client. On parle de Lean Startup, on parle de Lean dans beaucoup de management. Nous, on fait ça avec le collaborateur. On lui pose des questions en permanence pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, sur quoi il faut évoluer. Et par conséquent, on s'adapte en permanence en fait, à ces demandes dans la mesure du possible. Et ça nous a fait passer effectivement de 50 à 145 collaborateurs avant, après Covid. Eh bien voilà, ça sera une touche sur l'humain qui a été développée. Voilà, ainsi s'achève ce... Première nuit de l'événementiel, j'aimerais que tous les lauréats, ne bougez pas de scène, tous les lauréats viennent nous rejoindre sur scène, les lauréats et le jury. Vive l'événementiel, c'est pas encore fini. En musique, on les accueille sur scène pour la photo, on a le photographe de Paris Match. Allez-y. Sur scène, vous avez Manon Werner, elle vient de Chambéry, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Donc, tu aurais pu être DIRCOM de Opinel à Chambéry ? J'aurais pu. Voilà, donc tu j'aurais as... J'aurais pu, mais j'ai choisi une autre voie. Tu as choisi d'être chanteuse. Exactement. Alors, tu vas nous aider à terminer cette soirée en beauté. Exactement, tout à j'aimerais fait. Qu'on m'amène un ballon de rugby, s'il vous plaît. Un bâton de rugby, c'est un peu moins. Donc, on a le photographe de Paris Match qui est là. Donc, je m'adresse à tout le monde. À trois... Vous allez lever les bras, levez vos diplômes, vos trophées, et on va immortaliser cette soirée avec les micros, vous pouvez les jeter. Attention. Ah non, je viens là-bas, d'accord. Oui. Attention, t'es prête ? Super. Alors, un, deux, trois. Trois. Normalement, il y a des... Du coup, on va tous chanter encore. Allez, plus haut les bras, là. Think about it. You better think about it, try to be, yeah. Think about it, let yourself be free. Let's go back, legs away and bear with. I didn't even know you had it too.
attack you. So tease what you don't to me. You better think, think about it, try to do me. Yeah, think, think about it, don't let yourself be free. Oh, freedom, 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 freedom. Once I read but I won't. I'm gonna change my way, the way the things I don't. Yeah, think, think about it, try to do me. Yeah, 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 yeah. Think about to let yourself be free. You need me around the world, but I won't. I'm gonna change my way, the way the things I don't. Yeah, think, think about it, try to do me. Yeah, 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 yeah. Think about to let yourself be free. You need me. Voilà. Oui, attends, il veut chanter. Deux secondes, je vais faire une petite pointe d'humour. Ce soir, nous avons quand même le chanteur de Simply Red qui est quand même parmi nous. Oui, mais je suis très mauvais chanteur. Hein. Allez, je en fait. Une petite chanson avec non, nous. Non, pas du tout. Bon, j'aimerais qu'on applaudisse Manon Werner. C'est de l'humour, c'est la praline. Merci à tous, merci à tous nos jurés, merci à toutes les équipes techniques de GL et de Novelty. Et on va terminer en musique. Merci à tous. On se retrouve pour boire un verre, le verre de l'amitié. Et vive l'événementiel et vive Lyon !